l'aider à accélérer, à sécuriser sa croissance. Et là, sur un pitch d'une minute trente, qu'est-ce que vous regardez ? C'est une bonne question. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Bah, ce qui m'intéresse, moi, ça va être... Ça va être déjà le potentiel de croissance de l'entreprise, la composition de l'équipe, ça c'est à mon avis assez essentiel. Est-ce qu'il y a vraiment une complémentarité au niveau des compétences dans l'équipe dirigeante, après la taille de marché, et puis ben, pour ce qui est de l'IME, c'est une démarche qui est complètement volontaire. Il faut avoir envie d'y aller et s'impliquer et donc s'investir dans le dispositif pour que ça fonctionne. Et qu'est-ce qui fait qu'une start-up peut... plus que convaincre, vraiment être un coup de cœur pour le jury? Qu'est-ce qui fait la différence, finalement, quand on arrive comme ça dans une session, il y a 15 pitchs, pour faire la différence parmi 15 pitchs, parce que les projets, s'ils sont là, ils sont arrivés après une sélection rude, donc ils sont plutôt intéressants de base, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire la différence? Oh bah je pense que l'exercice est compliqué. De toute façon, pitch, c'est pas évident hein, de se présenter en 3 minutes et de donner envie. Il faut clairement qu'ils transmettent leur envie et qu'on les sente quoi, à la fin. Effectivement, après, il y a les fondamentaux, le marché, la proposition de valeur de l'entreprise. Mais il y a aussi l'humain, il y a aussi l'énergie qui va être transmise. Je pense que c'est essentiel. Ok, donc pour faire la différence, c'est l'humain, c'est l'équipe qui fera la différence. De toute façon, on va y aller là. Hein, là dans une minute, on va démarrer la troisième session du Marathon Pitch. Merci beaucoup. Merci. Frédéric, de notre partenaire IME. Est-ce que... Ok, on va interviewer un peu les fonds d'investissement qui sont là. Venez me rejoindre sur la scène avant de commencer cette troisième session. Donc, moi, pareil, même question. Donc déjà, vous pouvez vous présenter. Bonjour, Pierre-Alexis. Je travaille chez Entrepreneur Venture, qui est un fonds qui existe depuis une quinzaine d'années et qui investit en série A, série B, c'est-à-dire des tickets entre 1 et 10 millions d'euros. Entrepreneur Venture. Bonjour. Bonjour, je suis Mathieu, un des cofondateurs du fonds Daphni. On est beaucoup plus jeune, on a 2 ans. On investit dans des startups en seed, donc très tôt et un peu plus tard, surtout en série A, c'est notre cœur de cible, sur des startups aux ambitions internationales et proches de l'utilisateur final. C'est un petit peu notre coloration. Et on met des tickets entre 500 000 et 5 millions d'euros. Donc c'est assez large. Voilà, merci. Et bonjour à tous, moi je suis Victor de Brega. Brega Capital, on est assez jeune aussi, nous on a 4 ans, on fait du site de la série A. Notre ADN, c'est vraiment l'ADN entrepreneurial, on est tous anciens entrepreneurs dans l'équipe. Et on a une équipe opération qui est en soutien de notre portefeuille, avec donc un DRH, un directeur de BizDev, une CFO et une CMO qui sont tous les 4, tous les jours au quotidien pour aider nos startups à scaler. Voilà. Alors, je vais vous poser la même question à tous les 3 avant qu'on lance la troisième session. Donc, vous faites partie de notre jury. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun 3 critères pour vous qui sont fondamentaux pour remporter cette compétition, pour être un coup de cœur du jury? 3 critères, pas plus, et ensuite on passera à la session, la troisième session du Marathon de Pitch. Je vais commencer avec l'humain, effectivement, la personne. Finalement, en 1 minute 30, c'est très court, mais c'est aussi un moment où vous pouvez faire bonne ou mauvaise impression. Et ce qui fait surtout qu'on aura envie de vous reparler derrière, c'est d'avoir fait une bonne impression en étant original, énergique, enthousiaste, parce qu'on veut des personnes qui croient en leur business avant que nous, on y croie. Deuxièmement, je vais parler de l'opportunité de marché. Ça veut dire effectivement montrer qu'il y a un play, il y a de la place, que ce que vous faites est différenciant, change des choses. Et puis troisièmement, effectivement, évoquer un peu le modèle économique pour qu'on comprenne un petit peu ce que vous faites, comment vous allez gagner de l'argent et si effectivement ça fait sens de lever des fonds pour aller plus loin et derrière avoir quelque chose de viable, rentable, qui puisse grandir vite. Donc le business model, l'opportunité de marché et l'humain. Il faut y croire, il faut avoir la foi. Voilà, 3 critères. Puisque c'est un concours, je dirais l'enthousiasme.
c'est générer de l'énergie et qu'on la sente, parce que c'est vrai qu'on est, on a une position un peu particulière où on est en attente d'être enthousiasmé. Donc beaucoup d'énergie et c'est quelque chose qui est répété entre chaque passage et c'est hyper important qu'on sente qu'il y a quelque chose qui se passe, qui vit. Le second, c'est la surprise, être un petit peu en décalage peut-être des autres pitchs parce que ça reste un concours et du coup, si c'est un petit peu toujours les mêmes solutions pour les mêmes marchés, on commence à en voir beaucoup tout au long de la journée, donc on va aller chercher l'inattendu. Et le troisième, c'est l'authenticité de la personne qui vient pitcher et qui nous raconte quelque chose de vrai. Voilà. L'authenticité, le décalage et l'enthousiasme. Ouais. Là, on n'a même pas parlé de business model et tout. Hein. Donc vraiment, l'humain est super important. Les startups qui vont passer tout à l'heure en session, gardez bien ça en tête. Il n'y a pas que le projet, il y a aussi vous et comment vous l'incarnez en fait. Alors moi, je ne vais pas en faire trois parce qu'il y en a déjà eu six. Okay. Donc il n'y en aura qu'un seul, ça sera être synthétique, aller droit au but et bien dire qu'est-ce qui fait qu'on vous choisit vous et pas votre voisin. Synthétique, super, merci beaucoup. Chers membres du jury, vous pouvez les applaudir parce qu'ils sont là. Pour eux, c'est un vrai marathon. Ils sont là de 14h à 18h et demain aussi pour voir plus de 100 startups passer sur cette scène. On va. Tous les membres du jury sont présents ou pas pour commencer cette troisième session. Donc, si vous venez d'arriver. On sera ensemble aujourd'hui jusqu'à 18h et demain après-midi également. Il y a 105 startups qui viennent sur cette scène, qui viennent pitcher leur projet devant un jury. On a rassemblé 10 des plus grands fonds d'investissement. Ils sont là pour mettre 25 millions d'euros. OK ? Donc, il y a de la pression. Pour les 25 millions d'euros, évidemment, ça se décidera dans quelques mois. Mais d'ores et déjà, à chaque fin de session aujourd'hui, on connaît, en fait, le jury désigne son coup de cœur. Voilà. Et également, chaque membre du jury a ce qu'on appelle une carte débrief zone. S'il y a une start-up qui lui plaît, il peut lui dire, viens, on va en zone de débrief pour discuter, pour continuer les échanges. Carte de débrief zone, coup de cœur en fin de session. Tous les membres du jury sont là. Est-ce qu'ils sont tous là? Parce que je vois des chaises vides. Donc il y en a qui sont encore peut-être en break. Mais on va commencer. Donc, c'est parti. On enchaîne. Première start-up, Shape Heart. Shape Heart. C'est pas, on l'applaudit, on l'encourage. Il ouvre le bal. Prêt ? 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute 30 de questions-réponses avec le jury. C'est parti. Bonjour à tous, Michael Weiss de la société Shape Art. Et moi je vais vous parler de sport et je vais vous parler d'un problème que plus de 700 millions de personnes ont dans le monde. C'est tout simplement celui de qu'est-ce que je fais de mon téléphone quand je fais du sport, puisque j'en ai besoin pour la musique, j'en ai besoin pour suivre mon activité, j'en ai besoin pour rappeler s'il m'arrive quelque chose. Le mettre dans la poche, dans la main ou dans un brassard, c'est pas forcément l'idéal. Et donc chez Shape Art, on a créé une nouvelle génération de brassards qui permet tout simplement d'accéder à son téléphone quand on court, quand on fait l'exercice, à la salle de sport et de le remettre sur le bras. Et puisqu'on aime bien être les premiers, on a aussi créé un brassard qui intègre un capteur de fréquence cardiaque qui va mesurer la fréquence au niveau du bras, ce qui est bien plus précis qu'au niveau du poignet, par exemple pour les montres, et qui va l'envoyer en Bluetooth sur n'importe quelle appli que vous pouvez posséder déjà sur votre téléphone. Donc c'est des produits avec des technos qui sont brevetés, des produits qu'on a lancés il y a un peu plus de 3 mois maintenant en fin d'année, qui sont commercialisés, on a vendu plusieurs milliers de pièces en fin d'année, et avec des accords de distribution chez la Fnac, chez GoSport dans les semaines qui viennent, ou encore chez Orange. Et donc pour ce faire, on est deux associés plus deux stagiaires, qui maintenant sont plus stagiaires et qui sont vraiment employés. Et maintenant on est face à une vraie problématique qui est un marché, comme je vous l'ai dit, qui est colossal, et des grosses opportunités. Et c'est pour ça qu'actuellement on recherche des fonds, tout simplement pour pouvoir recruter, pour pouvoir se marketer, et pour pouvoir adresser ces marchés, qu'ils soient aux États-Unis, en Asie ou en Europe. Merci.
Merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. Question. Bonjour. Comment vous êtes distribué aujourd'hui ? Alors, on a trois canaux de distribution. La vente en direct sur tout ce qui est salon, pop-up store. La vente online avec notre site et Amazon principalement. Et la vente en retail avec des enseignes comme Fnac, Orange, des indépendants dans le milieu du sport et d'autres enseignes à venir dans les semaines à venir. Une autre question ? Oh, c'est droit au but. Hein. C'est tout pour aujourd'hui. Merci. Parfait. Shape Hort. On l'applaudit. Deuxième start-up de cette troisième session, Data Valoris, qu'on accueille chaleureusement sur la scène du Marathon Pitch. 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute 30 de questions-réponses avec le jury. C'est parti. Bonjour. Aujourd'hui, dans 2 ans, 14 milliards d'euros seront dépensés pour installer des intelligences artificielles dans 30% des projets mondiaux. Ces intelligences artificielles, il va bien falloir les optimiser et faire en sorte qu'elles soient plus efficaces. Je suis Jean-Patrice Gafkides, cofondateur de Data Valoris, doctorant en intelligence artificielle. Et aujourd'hui, nous proposons une plateforme SaaS qui va permettre à n'importe quel utilisateur d'intelligence artificielle d'optimiser son intelligence artificielle afin d'obtenir jusqu'à 20% d'amélioration de productivité ou pouvoir lancer des nouveaux produits. Pour donner une petite idée de ce que c'est que l'optimisation, c'est très simple. Si vous prenez aujourd'hui une voiture autonome, si dans 5% des cas, elle écrase des piétons, forcément, ça ne va pas être bon. Si j'arrive à gagner 1, 2, 3, 4, voire 5%, et ben d'un seul coup, je vais pouvoir mettre cette voiture autonome sur le marché. Voilà en ce qui concerne l'approche. Maintenant, Data Valoris, c'est une société, nous sommes lauréats réseau Entreprendre. Nous venons d'être accueillis au pitch, l'incubateur SWEV, Paris Senco. Nous sommes également aujourd'hui bénéficiaires depuis 2 ans. Et les tickets d'entrée pour l'optimisation de réseaux de neurones est aux alentours de 100K. 10 secondes, très bien. L'actionnariat, nous avons un actionnariat international de personnes physiques, avec aussi Valérie qui m'accompagne dans cette approche. Merci Data Valoris, on passe aux questions-réponses avec le jury. C'est parti. 1 minute 30 de questions-réponses. J'ai pas très bien compris ce que tu optimisais, en fait, c'est les algos, le hardware. C'est le réseau, nos réseaux de neurones. Après, c'est plutôt logiciel. Mais sur le modèle mathématique du réseau de neurones. Alors nous, on cumule à la fois les réseaux de neurones et les approches de génétique. Donc on fait de la sélection naturelle de réseaux de neurones. Donc on fait de l'optimisation de topologie. Alors ça devient technique, je suis désolé, mais c'est notre cœur de métier. C'est-à-dire qu'on prend un réseau de neurones, on le transforme, on est neurochirurgien en quelque sorte. Pour être plus proche. Mais du coup, vous créez votre propre framework open source de deep learning ? Alors, on ne fait pas d'hyperparamétrage. On fait encore mieux que ça, vu qu'on modifie la topologie. On a une plateforme SaaS, on a une technologie qu'on a développée nous-mêmes. On ne s'appuie pas sur les technologies des GAFA. La seule chose, c'est que quand un client utilise, lui, dans 99% des cas, la technologie des GAFA, nous, on va prendre leur réseau, on va l'optimiser, on va le modifier, on va soit leur rendre pour qu'ils le remettent dans leur système existant, soit on va utiliser notre propre structure. Donc on a notre propre développement, notre propre technologie, qui est brevetée. Il reste une question maximum. Et en termes de performance, tu as des chiffres ? Ah oui, on gagne entre 10 et 15%. On diminue de 10 à 15% les erreurs des réseaux de neurones existants en première instance. Donc on peut en faire encore mieux. Et on diminue de 10 à 15% les paramètres nécessaires pour les réseaux de neurones. J'ai publié un benchmark là sur LinkedIn ce matin. Merci Data Valoris, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Donc on est sur la troisième session du Marathon Pitch, toujours avec des startups en amorçage. Tout à l'heure, il y aura des startups en développement qui auront un petit peu plus de temps pour pitcher. Là, c'est 1 minute 30 de pitch, 1 minute 30 de questions-réponses avec le jury. Et à la fin de cette session, un coup de cœur désigné par le jury. Donc, vous pouvez faire vos pronostics en attendant sur les réseaux. N'hésitez pas à commenter. On accueille la troisième startup, Mouna, sur la scène du Marathon Pitch.
Donc, merci de l'accueillir chaleureusement. C'est parti, 1 minute 30. Bonjour, Colline, présidente de Mouna. Chez Mouna, nous voulons révolutionner le sommeil. Le sommeil, c'est tellement important, et pourtant c'est un problème pour 70% des gens. Un tel problème que ça représente un marché énorme, qui est estimé atteindre 80 milliards d'ici 2020, et sur lequel il y a des solutions soit incomplètes, soit encore avec des lourds effets secondaires. Donc Mouna, basée sur la recherche médicale, on développe une solution qui permet non seulement de s'endormir plus rapidement, mais d'améliorer la qualité du sommeil toute la nuit et d'aider au réveil. Et ça comment ? Grâce à la température. En fait, notre température corporelle, ça a un fort impact sur la qualité de notre sommeil. Pour s'endormir, il faut que notre température corporelle, elle diminue. Donc, c'est pour ça que vous retournez votre oreille du côté froid quand vous n'arrivez pas à dormir. Il faut maintenir une température fraîche pendant la nuit. Et à l'inverse, en fin de nuit, il faut se réchauffer pour bien se réveiller et être productif rapidement. Donc on développe une solution qui, grâce à des capteurs et du machine learning, va suivre et comprendre votre rythme de sommeil et va adapter la température d'un suroreiller qui se glisse dans l'oreiller pour améliorer donc, la qualité de votre sommeil toute la nuit. Donc après plus de 300 bêta-tests, une étude clinique avec le CHU de Nantes, on s'est lancé sur Kickstarter en fin d'année dernière avec beaucoup de succès. On a vendu 150 000 dollars de précommande. On a beaucoup de traction aussi du côté de la distribution et des partenariats B2B très intéressants. Et aujourd'hui, on recherche des partenaires pour nous aider dans notre phase d'accélération. 10 secondes. Bah, c'est bon, j'ai dit ce que je voulais. On est dans les temps. Merci. On passe aux questions-réponses. Questions-réponses avec le jury. C'est parti. Bonjour. Est-ce que l'hôtellerie peut être un marché pour aller vite, rapidement ? Oui, l'hôtellerie est un marché très intéressant. On commence à parler avec certains hôtels indépendants et il y a d'autres chaînes un peu plus, enfin, assez grosses qui sont clairement des canaux intéressants pour leur vendre en direct ou aussi pour être en termes de distribution pour que les clients voient le produit et la possibilité de l'acheter comme recommandation. Tu as des partenaires qui t'aident sur l'industrialisation du produit ? Donc on fait partie de l'accélérateur AXE, qui est un accélérateur basé entre Shenzhen et San Francisco, qui ont aidé plus de 200 startups à sortir leurs produits sur le marché, qui sont vraiment super bons sur tout ce qui est développement, produits, industrialisation, mais aussi qui ont un réseau international en termes d'investisseurs, de distribution, et qui nous aident énormément à dérisquer toute l'industrialisation. Et on travaille aussi avec un partenaire qui s'appelle L+, sur l'industrialisation. Quand tu dis que c'est un marché qui fait 80 milliards à peu près, t'inclus quoi comme typologie de produits ? Parce que ça, c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles. Enfin, je pense que c'est pas vraiment quantifié. Donc, les 80 milliards dont je parlais, c'est le marché des produits qui aident au sommeil, dans lequel on a une partie de médicaments qui représente 8 milliards, une partie de devices ensuite qui sont répartis principalement sur l'aide autour de l'apnée du sommeil et aussi tout ce qui est matelas spécialisé, oreiller spécialisé. Donc, c'est un marché qui est assez varié. Et sur lequel, sur la partie sleep tech, on va avoir des solutions qui sont principalement soit sur l'aide à l'endormissement, soit sur l'aide au réveil, soit qui traquent, mais qui font pas grand chose avec cette donnée. Merci Mouna. Voilà, le temps est écoulé pour les questions-réponses. À vous. On applaudit bien fort. Alors tout à l'heure, on a interviewé entre deux sessions, on a interviewé nos investisseurs, nos partenaires, ils nous ont donné quelques critères. Qu'est-ce qu'ils regardaient aujourd'hui sur les pitchs ? Évidemment, il y a le business model, évidemment, il y a l'opportunité de marché, mais un pitch, c'est aussi de l'humain, c'est aussi de l'énergie, montrer de l'enthousiasme, montrer que vous avez la foi. Parce que si vous voulez qu'on croit, qu'on investisse dans votre projet, 25 millions, il faut montrer qu'on a la foi. OK ? Vous aussi, faut leur donner de l'énergie quand ils viennent sur cette scène. Faut les envoyer. Donc, Squadron System, c'est parti. Sur la scène du Marathon Pitch, un peu plus de... Voilà, un peu plus de chaleur. Prêt ? Partez. Bonjour à tous, je suis Antoine Level, président de Squadron System. 3 milliards de dollars par an, c'est ce que coûtent les erreurs d'inventaire pour une enseigne comme Walmart aux États-Unis. Lié aux activités d'inventaire. Une activité d'inventaire, ça bloque un entrepôt pendant plusieurs jours, c'est des dizaines de personnes qui y travaillent, et c'est une activité qui va prendre en moyenne 60 secondes par emplacement, avec deux personnes et un chariot élévateur. On a démontré aujourd'hui que ce temps peut être réduit par 10,
donc 6 secondes par emplacement, à l'aide d'un drone autonome pour réaliser l'inventaire. Ce drone va se connecter automatiquement au système de gestion de l'entrepôt, récupérer les données pour aller faire l'inventaire, voler dans les allées, identifier les codes-barres, lire les codes-barres et les comparer avec les données du système. Tout cela en un seul clic sur une tablette sous la supervision d'un seul technicien. C'est ce qu'on fait chez Squadron System. Ce n'est qu'un exemple d'application qu'on développe avec le groupe Ardis. Chez Squadron System, on est là pour décupler l'efficacité opérationnelle de nos clients dans la captation de leurs données métiers. On travaille aussi dans l'assurance avec Groupama et dans la sécurité avec le groupe Safran. Notre différenciateur, c'est vraiment dans l'autopilote et dans la manière dont on va fusionner les données des différents capteurs du drone de manière à ce qu'ils volent de façon fiable et autonome pour réaliser une seule mission, qui est la capture des données métiers pour les restituer aux experts métiers. Nous sommes 13 salariés, on génère un chiffre d'affaires de 1,2 million d'euros. On a des commandes clients finaux actuellement. On a un business model avec des revenus récurrents à base de licences logicielles et de forfaits de maintenance. Et on vous attend pour nous aider à développer les drones qui décuplent l'efficacité opérationnelle de nos clients industriels. Merci. Bravo. On passe aux questions-réponses avec le jury. Une question. Merci. C'est quoi le plus gros challenge pour vous qui vient? Est-ce que c'est faire de l'acquisition commerciale? Est-ce qu'il vous reste encore un peu de R&D? Est-ce que c'est arriver à produire vos drones en grande quantité? C'est de travailler sur le cycle d'adoption client. Aujourd'hui, on est sorti de plusieurs phases pilotes et on se rend compte que le cycle de décision pour investir sur le drone, c'est pas quelque chose qui va prendre un mois ou deux mois, mais qui peut être parfois un peu plus long, notamment quand on rentre dans les discussions commerciales sur la maintenance, sur les garanties et sur ce genre de choses. Vous avez qui comme client aujourd'hui? C'est quel type d'entreprise? Alors on adresse 3 secteurs différents. Le groupe Ardis sur la logistique, qui est un éditeur de logiciels de gestion d'entrepôt. Et derrière le groupe Ardis, on a FM Logistique et Renus qui nous ont acheté des drones et d'autres avec qui on est en train de discuter. Dans l'assurance, c'est Groupama. Donc on a commencé par Rhône-Alpes-Auvergne et on est en train de s'étendre sur les autres caisses régionales. Et dans la sécurité, c'est le groupe Safran. D'autres questions? Il reste encore un peu de temps. Non? Ah si. Bonjour. En termes de techno sur le drone, qu'est-ce qui a été difficile à maîtriser pour... C'est toute la partie fusion de données au sein de l'autopilote. Donc c'est un logiciel qu'on a développé depuis 4 ans, qu'on a développé sur différentes applications, qu'on a beaucoup fiabilisé en utilisant des méthodes venant de l'aéronautique civile et qu'on met aujourd'hui à disposition de nos clients. Merci Squadron System, on Merci peut l'applaudir. Est-ce que vous nous entendez bien au fond de la salle? Ouais? Super. Donc vraiment, les startups qui viennent ici, de l'énergie, de l'enthousiasme, de la foi, c'est les investisseurs qui l'ont dit. Et pour les membres du jury aussi, rapprochez-vous du micro parce que sur le Facebook Live, on a besoin de vous entendre et vos questions sont très importantes. On accueille BAM sur la scène du Marathon Pitch. C'est parti. Bam. On lui donne du love. Prêt? 1 minute 30 pour pitcher. C'est parti. Bonjour à tous. Mathias, cofondateur de Bam. Je viens aujourd'hui avec une très bonne nouvelle. D'après le European Center, les jeunes architectes français sont parmi les meilleurs du monde. Et si 80% des Français rêvent d'une maison d'architecte, seuls 5% des maisons en France sont construites par des architectes. Alors pourquoi? On a identifié 3 facteurs clés pour expliquer cela. D'abord, l'architecte a la réputation d'être cher. Ensuite, il est vu comme un artiste qui saurait mal gérer un projet ou un budget. Enfin, il propose assez peu de garanties par rapport à d'autres professionnels de la construction ou de la rénovation. Nous avons donc voulu créer BAM, la plateforme qui réinvente la relation entre l'architecte et son client. En donnant aux architectes les outils afin qu'ils s'engagent sur un budget, en leur permettant d'avoir en relation des artisans très qualifiés, compétents et au meilleur prix, et 3, en imposant des pénalités de retard sur nos chantiers, on garantit à nos clients des projets finis dans les temps, sans dépassement de budget et aux meilleures finitions. Et ça marche. Aujourd'hui, nous avons plus de 120 projets par mois, avec un projet moyen à 100 000 euros de budget. On travaille avec plus de 550 architectes partout en France. 10 secondes. Tous inscrits à l'ordre des architectes.
On est en train de reconquérir un marché colossal qui avait été longtemps laissé à l'abandon par un bon nombre d'acteurs. Le potentiel est énorme et bam, on est en train d'y arriver. Merci. Bam. Bam. Ok, question-réponse avec le jury, 1 minute 30. Bonjour. Bonjour. Quels sont tes clients, finalement ? Alors, on a 80% de clients qui sont des particuliers et 20% de professionnels. Donc, on va de la rénovation d'appart de 20 mètres carrés à la construction de maisons de 500 mètres carrés. Et à côté de ça, on fait des restos, des bars. Là, on est en train d'organiser un des plus grands concours d'archi de l'année avec un concours pour la rénovation complète d'un des meilleurs chais viticoles de Châteauneuf-du-Pape. On est en train de lancer maintenant. Donc là, il y en a pour plus de 10 millions d'euros de travaux. Et comment tu vas les chercher ? Alors là, pour l'instant, on a fait énormément de SEO. Il faut savoir qu'on n'a quasiment pas eu de budget d'acquisition jusque-là. On a mis 3000 euros d'acquisition l'année dernière, en 2017. Et on fait énormément de SEO et ça rentre très bien. On a énormément de croissance. On fait 20% de croissance tous les mois naturels en acquisition. Une autre question. On fait tourner le micro, là. Hop. Bonjour. Moi, bonjour. J'avais juste une question sur le business model. Tu l'as peut-être précisé, mais je voulais juste que tu m'expliques un peu comment vous faites de l'argent sur le panier moyen. OK. Alors, nous, on a une commission qui est à peu près de 5,5% sur tous nos projets, puisqu'à la fois, on met en relation des architectes, mais aussi des artisans. Et c'est les architectes et les artisans qui nous donnent une commission par rapport au projet qu'on leur a apporté. Juste pour avoir une idée, le nombre d'architectes en France aujourd'hui, par exemple, ça représente combien de personnes à peu près ? Alors, ça représente 30 000 personnes, mais 10 000 sociétés. Disons que Okay. Dans les sociétés, il y a plusieurs architectes. Ok, merci. Merci beaucoup, BAM. Merci, vous pouvez l'applaudir. Donc, en fin de session, le jury va se réunir pour désigner son coup de cœur, mais également, le jury a, chacun des membres du jury a une carte d'accès à la débrief zone. S'il y a une start-up qui lui tape dans l'œil ici, qui a un pitch voilà, qui le fait vibrer, il peut lui proposer un tête-à-tête dans la débrief zone pour parler plus longuement, plus sérieusement. Donc on accueille la start-up suivante, Simple, sur la scène du Marathon Pitch. Vous pouvez lui donner de la force. Et c'est parti pour 1 minute 30 de pitch. Bonjour à tous, je suis Ruben Jean, je suis l'un des cofondateurs de Simple. Avec Simple, vous envoyez des objets vers le monde entier, sans vous déplacer et sans emballer. Que vous soyez un particulier qui souhaite envoyer un cadeau à New York, un professionnel qui veut envoyer un échantillon en Chine, ou même un commerçant qui gère des dizaines de commandes par jour, Simple est la solution pour vous. Avec Simple, on vous garantit une collecte en moins de 45 minutes, un emballage sur mesure, un service client à temps plein et des tarifs de transport jusqu'à 75% moins chers. Le destinataire reçoit un SMS au moment de la collecte, lui permettant de suivre son colis et de modifier l'adresse de livraison si besoin. Nous avons lancé la commercialisation en septembre 2017, donc il y a 5 mois. Et aujourd'hui, on a plus de 20 clients entreprises et une base de 2000 clients particuliers. Parmi nos clients entreprises, on a justement une marque de mode masculine qui s'appelle Asphalt. Et nous avons élaboré pour eux un emballage personnalisé. Et nous proposons à chacun de nos clients, justement, de leur concevoir un emballage personnalisé pour améliorer leur image de marque. Depuis notre lancement, on a multiplié par 10 nos ventes. On génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de 100 000 euros par mois. Et on est, voilà. Donc Simple, c'est l'application qui vous permet d'envoyer un objet sans vous déplacer, sans emballer et en payant moins cher. Merci. Merci, merci Simple. Dans les temps. Question-réponse avec le jury. C'est parti. Merci. Comment tu fais justement pour optimiser la chaîne et pour avoir une solution qui soit plus économique que les autres solutions existantes sur le marché ? Alors, donc, on est une société qui envoyant que des colis. Donc, on a négocié avec chacun des transporteurs, puisqu'on passe par les transporteurs classiques comme UPS, TNT, Colissimo, etc. Et on a négocié des tarifs de gros avec eux. Du coup, on a des remises auxquelles ne peuvent pas bénéficier les particuliers ou les petites entreprises. C'est comme ça qu'on arrive justement à avoir des tarifs plus bas. Moi, j'avais juste une question. Ouais, bonjour.
vous faites du transport international ou pas ou pour l'instant? Oui. Et vous avez aucune contrainte juridique sur le transport de... Alors, encore une fois, on passe par les transporteurs classiques. Okay. Donc du coup, c'est justement l'un des avantages en passant par Simple, c'est qu'on s'occupe de toute la déclaration douanière pour le client. Okay. Il n'a pas à s'occuper de ça. Toute la paperasse, c'est nous qui la faisons. Merci. D'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Du coup, c'est vous qui gérez la relation client en cas de problème? Tout à fait. On a un service client à temps plein qui est là pour s'assurer que tous les colis arrivent bien à destination et s'il y a un colis, de gérer le problème avant même que l'expéditeur se rende compte qu'il y a eu un problème. Et l'interfaçage avec les transporteurs, c'est pas trop compliqué sur le savoir où est le colis, savoir qui est responsable de quoi? Alors, chacun de nos clients bénéficie du suivi Simple, qui est en fait relié au suivi des transporteurs, et également du suivi du transporteur lui-même. Mais l'objectif, ça reste de passer par notre service à nous pour que tout soit beaucoup plus simple. Merci Simple, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Donc on est sur la troisième session du Marathon Pitch, si vous venez de nous rejoindre. Là, on est sur des startups qui sont en phase d'amorçage. Elles ont 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute 30 de questions-réponses avec notre jury qui est composé de 10 fonds d'investissement et de nos partenaires. Donc en fin de cette session, il y aura un coup de cœur qui sera désigné par le jury. Le jury va se regrouper, délibérer, désigner un coup de cœur. Donc vous aussi, vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux, nous dire quel est votre coup de cœur sur cette session. À qui est-ce que vous donneriez la carte de débrief zone pour aller discuter en tête à tête? Et j'accueille la start-up suivante, My Troopers. Donc on peut l'applaudir, lui donner de la force. My Troopers, on est là ou pas? On est là. Ok, il est là. C'est parti, 1 minute 30. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Jean et je suis l'un des cofondateurs de My Troopers. Il y a 2 ans, j'ai fait un rêve. Ce rêve, c'était de pouvoir transporter mon joli canapé en simili-cuir que j'avais acheté à 3 km de chez moi. Effectivement, il pleuvait. Effectivement, il était très lourd. Et effectivement, on était à pied. Après cet événement, je me suis rendu compte qu'il y avait en réalité aujourd'hui plus de 80 000 transporteurs professionnels aujourd'hui en France. Switch de micro. Et moi, à Paris, à 20h30, place de Clichy, j'avais pas réussi à en trouver un seul, aidé d'un smartphone dernière génération. Alors je me suis dit que je devais pas être le seul dans ce cas. Et non, effectivement, j'étais pas le seul dans ce cas. Il y a aujourd'hui, tous les mois, plus de 900 000 requêtes en lien avec ce type de besoin. Et on estime qu'il y a aujourd'hui plus de 160 000 transports professionnels volumineux dans les mondes du retail, de l'événementiel ou de la logistique. Le concept qu'on a fait naître il y a 2 ans, il est très simple. Permettre aux professionnels et aux particuliers de commander un véhicule utilitaire avec chauffeur à l'heure, à l'endroit et au moment de leur choix. Pour que la logistique d'hier ne soit plus la logistique de demain. Pour que plus jamais, en boutique, on vous dise que votre super canapé ou votre table, on vous la livrera dans 5 jours, entre 9h30 et 17h. On est en train de rassembler la plus grande communauté de transporteurs professionnels et de vous permettre d'y avoir accès en instantané. 10 secondes. Notre start-up s'appelle My Troopers et nous sommes là pour changer le transport, la livraison professionnelle et tout ce qui ne rentre pas dans votre jolie citadine. Merci beaucoup. Yes. Question-réponse avec le jury, 1 minute 30. Des questions? Est-ce que tu peux nous dire ce qui te différencie d'un Trusk, Supervan et genre de société? Effectivement, aujourd'hui, on n'est pas les seuls sur cet écosystème parce que c'est un marché qui va grimper, qui va monter. Aujourd'hui, nos arguments, ils sont technologiques. Les applications qu'on met à disposition des professionnels qui nous utilisent, aujourd'hui plus d'une centaine, sur le service rendu aux clients, notre façon de sélectionner les troopers, les transporteurs, et puis notre façon d'automatiser, de standardiser les réponses aux différents cas de litige qu'on peut avoir. Et puis c'est aussi notre équipe, aujourd'hui une dizaine de personnes, développeurs, marketeurs, commerciaux, qui tous les jours travaillent pour justement être un des acteurs de tête de ce marché qui est très intéressant. Excuse-moi. Ouais. Merci. Et moi j'avais juste une question sur là où vous en êtes en termes de combien de commandes vous avez fait, combien de... Enfin tu vois tout ça, juste pour avoir... En 10 secondes le panorama?
Ouais, même 5. 5 secondes, ça va être chaud. On est aujourd'hui 10. On a une équipe donc, qui est composée de 4 pôles, opérations, market com, développement, commercial. On a plus d'une centaine de professionnels qui nous utilisent tous les mois. Okay. On est leader sur les bornes. Et aujourd'hui, on a fait plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Et là, on vient de boucler un nouveau tour de site. Ok, top, bravo. J'ai essayé de donner le max d'infos. Merci, My Troopers. Merci ouais. beaucoup. On peut l'applaudir. Troisième session de ce marathon pitch. On passe à la start-up Time Tonic, qu'on accueille sur notre scène maintenant. Time Tonic. On peut l'applaudir. Prêt ? Jean-Michel Durocher. C'est parti. 1 minute 30 de pitch. Merci. Les outils de gestion traditionnels dans les entreprises sont pyramidaux, lourds, rigides, complexes, moches, pas très intelligents. Du coup, ils sont démotivants pour les salariés, ça bride l'innovation. Que font les salariés, les professionnels ? Ben, ils reviennent au bon vieux tableur pour gérer tout un tas d'informations. Avec conséquence que les données sont dispersées entre les emails, les Dropbox, les tableurs, les fichiers et une myriade d'outils différents. Résultat, perte d'informations, manque de visibilité dans la direction, etc. Pour résoudre ce problème, nous sommes partis d'un constat. Tous les outils de gestion ont des données. Et donc, nous avons développé un nouvel outil de gestion de base de données, mais pas pour les développeurs, mais pour les utilisateurs eux-mêmes. Un outil de base de données qui a la souplesse du tableur, donc on démarre, on comprend tout de suite comment l'utiliser, mais on peut gérer de manière très visuelle tout ce qu'on veut. C'est un vrai changement de paradigme sur un marché de la transformation numérique des entreprises de 80 milliards de dollars. On part, pas d'application, pas de programmation. On part du besoin, on le traduit en données, et ça y est, l'application est prête. On travaille déjà avec des premières équipes chez Capgemini, Engie, Sanofi, Airbus, qui ont remplacé des outils comme Salesforce pour la gestion de leurs clients, qui ont remplacé des outils comme Asana, Trello pour la gestion de leurs projets, qui ont remplacé des outils de développement interne pour la gestion de leurs équipes mobiles. 10 secondes. De Data as the Application. En 2017, nous avons multiplié par 4 notre MRR. Au premier trimestre 2018, nous avons déjà multiplié par 2 notre MRR et nous prévoyons faire 8 fois notre revenu récurrent mensuel sur 2018. Merci. Merci Time Tonic. On passe aux questions-réponses. On switch le micro parce que celui-là, il grésille un peu. Pardon. Merci. Excuse-moi. Là, ici. Pardon, bonjour. Merci. Merci pour le pitch. Moi, j'avais juste une question sur comment est-ce que vous créez un modèle qui est facilement, je dirais pas, scalable, c'est pas forcément le terme, mais qui s'adapte à tout type de business, puisque en fait, du coup, vous êtes sur plein d'industries différentes, et donc le use case n'est peut-être pas forcément le même, et donc du coup, comment est-ce que vous créez un produit qui est hyper simple à prendre en main et à utiliser dans chaque industrie. La première chose, c'est qu'on crée des templates prêts à l'utilisation dont on démarre avec et on focus aujourd'hui sur 3 secteurs, gestion de projet, gestion de clients, gestion d'intervention mobile. Parce que sur mobile, c'est imbuvable un tableur et les outils de gestion sont très compliqués, donc c'est un secteur clé. Donc on fournit ces 3 modèles et l'objectif, bien sûr, c'est qu'ensuite, on puisse le faire soi-même. Et c'est la beauté de l'outil, c'est qu'on a l'autonomie complète. C'est un vrai changement d'habitude et de programmation, mais nos utilisateurs adorent absolument la solution. Ils ont une autonomie complète pour gérer eux-mêmes toutes leurs activités. En combien de temps, l'autonomie, juste pour savoir ? Quand un premier client sur un secteur qu'on ne connaît pas du tout et qui n'a pas de template, ça peut prendre entre une semaine et un mois. Okay. Un utilisateur qui a déjà un template, et qui ça peut démarrer en une heure, et puis okay. On est autonome. Top. D'autres questions ? Merci, Time Tonic. On peut vous applaudir. On enchaîne avec la start-up InnovAct. Vous pouvez l'applaudir également, l'encourager. C'est parti pour pitcher 1 minute 30. Bonjour, donc je m'appelle Eric Page, je suis président d'InnovAct qui existe depuis une dizaine de mois. Notre objectif, il est assez simple, c'est de réduire en fait le risque dans les usines et sur les chantiers. Aujourd'hui, c'est une situation qui est insupportable en fait d'avoir des milliers d'heures perdues, des dizaines en fait d'accidents, pour pas dire des centaines d'accidents. Donc, on a mis en œuvre en fait 2 technologies, les objets connectés, l'intelligence artificielle, pour permettre en fait aux travailleurs isolés ou pas, dans des usines ou sur des chantiers, de ne plus être victimes en fait d'un certain nombre de
d'accidents, notamment liés en fait à la fatigue très importante dans certains domaines. Et donc on surveille en permanence en fait ces paramètres-là. On travaille aujourd'hui avec la SNCF, avec Air Liquide, EDF, Orange, en fait sur ces thèmes-là. Et donc il y a effectivement un marché important, puisque vous le savez, ces objets qu'on appelle les EPI, des équipements de protection individuelle, sont aujourd'hui obligatoires. On pense aux casques notamment, et on a utilisé effectivement ce support-là naturel, sans le modifier en tant que tel, puisqu'il joue son rôle pleinement de protection mécanique, si j'ose dire, et on lui a rajouté effectivement ces éléments de, je dirais, de supervision, en fait, notamment de la fatigue, de situation en fait, de risque pour le travailleur. Voilà. Merci, Novact. On passe aux questions-réponses. Quelle est la technologie pour monitorer la fatigue du travailleur ? Alors, ça fait l'objet d'un dépôt de brevet, donc je ne vais pas vous donner beaucoup de détails, mais il s'agit en fait de travaux qui ont été initiés en fait en France, puis repris aux États-Unis sur le changement de fréquence cardiaque, en fait, qui sont liés effectivement à un degré de fatigue et surtout de qualité effectivement de la récupération. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le sport de haut niveau notamment pour la préparation des athlètes. Et donc vous proposez un hardware combiné avec un software ? Exactement. On propose une solution clé en main en fait, qui permet de suivre entre guillemets ces paramètres-là et d'anticiper surtout les accidents. Le but du jeu, c'est d'arriver effectivement avant que l'accident ne survienne évidemment. Alors je vais vous demander de bien parler près du micro quand vous répondez aux questions, quand vous parlez dans le micro. C'est important hein, parce qu'on a besoin de nous entendre dans le fond de la salle et sur Facebook Live. D'autres questions ? Quelle est la genèse du projet et pourquoi vous êtes lancé sur ce marché-là ? Alors il se trouve que je suis un ancien de l'industrie et que j'ai travaillé en fait dans des industries à risque pendant des années, mais dans des postes en fait plutôt liés à l'innovation. Donc en fait c'est l'association des deux qui m'a assez naturellement amené en fait à ce constat et à ces solutions, ce principe de solution. Merci InnovAct, merci beaucoup. On peut l'applaudir. Il reste 5 startups sur cette troisième session du Marathon Pitch et on accueille tout de suite Nestor sur la scène du Marathon Pitch. On l'applaudit, on lui donne de la force. Je vais vous donner le micro. C'est parti. Bonjour, Emmanuel Baudard, cofondateur de Nestor, Martech Company, fondée sur l'exploitation intelligente du contenu d'une marque comme nouveau levier de performance en marketing digital. Alors, quelle problématique adressons-nous ? Nous sommes partis du double constat que pour une marque, dans un environnement de plus en plus concurrentiel, le ratio entre gain de performance et coût d'acquisition se dégrade de plus en plus, et également que l'exploitation du cookie va bientôt connaître ses limites. Comment nous répondons à cette problématique ? Grâce à l'exploitation par notre intelligence artificielle du contenu propre à la marque, nous automatisons la création des campagnes médias digitales. Et pour ce faire, notre premier produit AdenPage nous permet de maximiser la pertinence entre la recherche de l'internaute captée en temps réel et le contenu de la réponse créé automatiquement et à l'infini. C'est cette association, j'allais dire, disruptive et extensible qui permet aux marques de bénéficier d'un trafic beaucoup plus qualifié et donc d'optimiser leur coût d'acquisition. Alors, où en sommes-nous ? Nous avons signé 3 POC commerciaux, en cours d'ailleurs, et pour accélérer notre pénétration de marché, nous travaillons avec des grandes agences en marketing digital et des sociétés de consulting telles que Accenture. Nous sommes d'ailleurs en train de négocier un partenariat stratégique avec une agence marketing digital de premier plan. 10 secondes. Donc voilà, si comme nous, vous voulez aider les marques à révolutionner leur commerce en ligne, rejoignez-nous. Merci beaucoup. Merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. Alors, j'ai peut-être mal compris, mais en fait, tu fais une forme de matching entre le sujet de la requête et du contenu, c'est ça ? Ou qu'est-ce que tu dis comme data en entrée pour justement faire ta segmentation de client ? Exactement, on est capable de lire en entrée la requête du client et on y associe, à partir du contenu du client qu'on exploite par notre intelligence artificielle, on y associe la meilleure réponse pour maximiser la pertinence entre une requête et sa réponse. D'où l'optimisation sur les coûts d'acquisition. Versus des content squares et d'autres, même tous les A-B testing qui vont justement sur de la personnalisation et les genres de clustering avec derrière des parcours clients personnalisés. Tu te positionnes comment ? Je ne veux pas juger content square qui fait que du hint map, mais donc tu as précisé le mot A-B testing. Donc nos concurrents sont des concurrents partiels sur la chaîne de valeur.
puisque les mots d'intelligence artificielle, exploitation du contenu et d'automatisation de création du contenu et des campagnes, aujourd'hui, n'existent pas. On parle bien d'automatisation, hein, par intelligence artificielle. D'autres questions pour Nestor ? Oui ? Non, pas de questions. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Donc, il reste encore un peu start-up à défiler sur cette troisième session du Marathon Pitch. On a notre jury, 10 investisseurs qui sont là à la fin de cette session. Il y a un coup de cœur. Donc, vous aussi, vous pouvez faire vos pronostics, nous dire sur les réseaux, sur le Facebook Live, qui est-ce que vous verrez, qui serait votre coup de cœur parmi ces start-up. Donc, qui est-ce qui vous a convaincu sur le plan de son business model, d'opportunité de marché? Qui est-ce qui vous a convaincu humainement aussi, au niveau de son énergie? Voilà. Donc, dites-nous en commentaire, qui est-ce que vous choisiriez comme coup de cœur sur cette troisième session du Marathon Pitch? Wildesk, la prochaine start-up à venir me rejoindre sur la scène du Marathon Pitch. On l'applaudit, on lui donne de la force. Et c'est parti, 1 minute 30 de pitch. Merci. Bonjour, je suis Alexis et je vais vous parler de Wildesk. Donc on est parti du constat que dans trop d'entreprises encore, l'environnement de travail, les bureaux sont trop inconfortables, fonctionnels mais austères parfois, froids, austères parfois. Et donc Wildesk veut proposer une alternative à ça, et parce que nous, notre objectif, au contraire, c'est de faire en sorte que le bureau d'aujourd'hui, le bureau de demain, soit un espace, un lieu de vie, plus chaleureux, plus vivant, voilà, où il fait bon vivre, où on a envie de passer du temps pour travailler longtemps dans l'entreprise de manière saine et de manière sereine. Donc Wildesk propose déjà 4 offres aux entreprises désireuses d'amorcer ce changement, cette transformation de leurs espaces de travail. La première offre, c'est la livraison hebdomadaire de corbeilles de fruits dans les entreprises. La deuxième offre, c'est la livraison de snacks bio et de snacks sains dans les entreprises. La troisième offre, c'est la livraison et l'installation de plantes vertes. Et la dernière offre, c'est l'acheminement, l'approvisionnement de thé et café équitable. Toutes ces offres ont été repensées, packagées, designées pour s'adapter parfaitement aux besoins de l'entreprise, quelle que soit sa taille et sa structure. Wildesk en quelques chiffres, aujourd'hui c'est 6 mois de commercialisation, plus de 100 clients entreprises convaincus, un revenu mensuel récurrent qui est supérieur à 20 000 euros, et surtout une croissance de plus de 10% par semaine. 10 secondes. Aujourd'hui, on cherche le partenaire qui voudra nous accompagner dans la gestion de cette croissance et pour déployer donc le service à toute la France pour devenir le premier fournisseur de produits sains et naturels aux entreprises. Merci beaucoup. Wildesk a pitché. C'est parti pour la session de questions-réponses avec le jury. Qu'est-ce qui te différencie aujourd'hui d'autres acteurs et qui te permet aussi de créer finalement des barrières à l'entrée sur ce marché ? Merci pour cette question. Au niveau de la différenciation, donc Wildesk mise sur 3 atouts. Le premier, c'est l'exécution et surtout le développement commercial. Voilà, c'est vraiment cette rapidité à laquelle on signe des contrats. On est sur un rythme de 2 contrats par jour en ce moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la vision... Plutôt, le deuxième point, ça va être l'image, le branding. Donc, je vous invite à visiter notre site internet www.wildesk.fr pour voir si vous percevez justement cette image de marque assez forte. Et le troisième point qui rejoint le deuxième, c'est justement notre vision, notre ADN dans la sélection des produits qui vont apparaître sur la plateforme. Donc là, on a plein d'idées. J'ai peut-être pas le temps de développer, mais on a plein d'idées de différenciation dans la vision. J'ai une question sur ton taux d'intake. Mon taux de... ta commission que tu prends, justement. Alors, notre marge brute est d'à peu près 45% sur toutes les offres, en moyenne sur les offres que j'ai décrites, et notre marge nette après logistique, il nous reste 30% de marge. Aujourd'hui, les clients, c'est surtout Paris. Est-ce que c'est une solution qui se déploie facilement Yes. 10 secondes. Aujourd'hui, la plupart de nos clients sont en Île-de-France, effectivement. Mais comme vous l'avez vu sur nos offres, donc fruits, snacks, café, plantes, on peut expédier. Alors, petit bémol sur les plantes, mais sur les 3 autres offres, on peut les expédier très facilement. On a déjà des clients dans le sud de la France ou même à Bruxelles. Merci Wildesk, on peut l'applaudir. Merci. Et on continue cette troisième session pitch avec
la prochaine start-up que j'appelle à me rejoindre, Labsbox, c'est ça, Labsbox, et qui va venir, oui, on l'applaudit, on lui donne de la force. Bah oui, mais la force, c'est pas facile d'être ici, hein. C'est vraiment l'épreuve du feu, de venir devant 10 investisseurs comme ça, venir pitcher, donc faut être là, quoi. C'est parti, 1 minute 30 de pitch. Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Xavier Norris, je suis le fondateur de Labsbox. Alors Labsbox, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est un boîtier photographique qui est autonome et connecté et qui se positionne sur le marché du chantier connecté. C'est un système qui aujourd'hui répond à deux solutions, deux problématiques. Ça permet de suivre son chantier en temps réel et c'est également un outil de communication, parce que ça permet de réaliser ces fameux films time-lapse et les films accélérés que l'on voit de plus en plus. Alors, 2017, c'est vrai que ça a été une année vraiment très, très intense pour nous, parce que bon, déjà, on a mis en place notre prototype qui a convaincu de façon spontanée nos 50 premiers clients, donc avec une croissance qui a été assez forte. Et ça, c'est que le début de l'aventure, parce que dans un mois, on a notre deuxième version qui arrive et qui va être disponible non seulement à la location, mais également à la vente. Avec un système qui va être vraiment utilisable directement par l'utilisateur final et qui va permettre en fait de s'adresser par exemple à tous les photographes ou boîtes de sociétés de production qui souhaitent réaliser du time-lapse. Alors aujourd'hui, on souhaite être accompagné, notamment en levant des fonds, pour développer notre prochaine version qui, elle, va non seulement être un boîtier qui va faire de la captation d'images, mais également tout type de data. Donc on a des projets qui sont en cours avec des clients. On va être capable d'aller chercher des paramètres type température, niveau de pH, pourquoi pas de la caméra spectrale, enfin différents types de données qu'on va transmettre et traiter en temps réel. Bref, répondre à cet immense enjeu qui est le chantier connecté. Voilà, écoutez, je vous remercie et puis je reste à votre disposition pour les questions. Merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. Des questions ? Pour la partie suivi de chantier, en fait, qu'est-ce que tu permets ? Est-ce que tu identifies justement les états d'avancement de chacune des parties ? Qui devraient être les prestataires qui doivent intervenir ? À quel moment ? Enfin, c'est ça que... Oui, alors, effectivement, l'outil, aujourd'hui, il est encore assez simple. Donc, on a une base de données. Le client, quand il se connecte, déjà, il a une vue en temps réel de ce qui se passe. Donc, effectivement, ça permet, typiquement, un architecte qui a plusieurs chantiers à gérer, ça peut lui éviter des déplacements, donc un gain de temps, un gain de productivité. Et puis, il peut voir ce qui se passe en temps réel en disant, tiens, là, aujourd'hui, on devait livrer mon béton. Finalement, je vois pas la toupie, qu'est-ce qui se passe ? Bon, voilà. Et ensuite, tout est enregistré. Donc, ça permet de remonter dans le temps. Et on a encore des évolutions à faire, mais typiquement, on voudrait pouvoir... remonter une date donnée et dire on enregistre des points clés en disant il s'est passé telle chose, et puis avoir ensuite un historique du chantier. Une autre question ? Bonjour. Moi j'avais juste une question sur les cycles de vente. Comment est-ce que vous allez chercher vos clients et combien de temps ça met pour les onboarder et pour que la solution soit en marche chez eux ? Alors, aujourd'hui on ne communique pas parce qu'on a de la demande spontanée que j'ai du mal à traiter. On va commencer à communiquer cette année. Donc, en fait, on attendait d'être prêt, d'avoir une solution qui soit plus industrialisée. Pour l'instant, c'était encore vraiment fabriqué un par un à la main. Maintenant, on commence à avoir un peu de stock d'avance. Donc, alors, les clients, ils veulent toujours tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, quand on nous appelle, il faut installer ça dans les 2 ou 3 jours. Donc, c'est pour ça qu'au début, c'était pas évident. Maintenant, on est capable de répondre à cette demande très vite. Et le bouche à oreille joue beaucoup. C'est-à-dire que, on a un premier client qui, en interne, va passer nos coordonnées parce qu'ils ont vu les images et que ça leur plaît et qu'ils ont envie de le généraliser sur les chantiers. Okay. Merci beaucoup, Labsbox. On peut Merci. Vous applaudir. Donc, sur cette troisième session, il reste 3 startups à passer sur la scène. L'une d'entre elles sera désignée par notre jury comme étant le coup de cœur de cette session. J'appelle, donc, vous aussi, vous pouvez faire vos pronostics, commenter sur le Facebook Live, sur les réseaux. J'appelle la startup suivante, Happy City, qui va venir nous pitcher son projet. Bienvenue, on lui fait un accueil chaleureux, on lui donne de la force. 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute 30 de questions-réponses, c'est parti. Bonjour, David, je vous présente aujourd'hui Happy City, l'application des commerces de proximité. Nous sommes 3 fondateurs,
Antoine, diplômé des Ponts et Chaussées, ingénieur informatique. Il a travaillé 6 ans au ministère de l'Intérieur. Sacha et moi-même, diplômés d'INSEC Paris, on a monté une agence de communication il y a 8 ans, l'agence de communication Reventis. Donc, Happy City. Okay. Happy City, on est parti de 2 constats. Le premier, c'est la désertion des centres-villes et donc des commerces de proximité. Le deuxième, c'est que nos habitudes de consommation ont changé avec les nouvelles technologies. On utilise de plus en plus des applications de type Amazon pour consommer en ligne. Donc, notre objectif, c'est de recréer du lien entre les commerçants et les consommateurs. La solution, c'est l'application Happy City. Sur Happy City, on va retrouver tous les commerces de proximité, quel que soit leur secteur d'activité, de façon géolocalisée. Les utilisateurs vont pouvoir retrouver les promos, bons plans, actualités des commerces de proximité. Ils vont pouvoir acheter en ligne les produits et services et bénéficier d'une carte de fidélité de type cagnotte, mutualisée sur tous les commerces Happy City. Mais Happy City, ce n'est pas que ça. C'est le réseau social des consommateurs. C'est une plateforme collaborative permettant aux utilisateurs de se partager les bons plans, promos et actualités de leur commerce de proximité. 10 secondes. Merci. J'ai perdu mes mots. Je vous ai déstabilisé. Un petit peu. C'est pas... Je vous remercie. C'est le jeu. Ok. Il vous reste encore ok. Très bien. Bon, on passe aux questions-réponses. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Sans vouloir continuer à vous déstabiliser, il y a eu beaucoup de tentatives pour créer du lien entre les commerçants et revaloriser les commerces de proximité. Beaucoup d'apps, beaucoup de start-up qui sont montées. Mm-hmm. Souvent, elles ont du mal à passer à l'échelle. Pourquoi vous, ça va être différent ? Alors, pourquoi nous ? Déjà, on a une expérience auprès des commerçants de 10 ans. Donc, ça fait 10 ans qu'on leur propose des produits et services à ces commerçants. On les connaît très bien. Donc, ça, c'est pour la partie commerçant, pour proposer notre service auprès d'eux, puisqu'on fait du B2B2C. Et la deuxième chose, c'est l'une des formes les plus importantes, c'est auprès du consommateur final. Là, si vous voulez, la problématique qu'on a, c'est que ces consommateurs finaux, ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'il y a en bas de chez eux. Ils achètent au bout du monde, mais ils ne savent pas ce qu'il y a en bas de chez eux. Donc le but, c'est vraiment qu'ils puissent l'utiliser de cette façon-là. J'ai peut-être mal saisi votre question. Mais... Ouais. D'autres questions ? N'oubliez pas de parler près du micro pour qu'on vous entende bien. Comment justement tu arrives à faire de la pédagogie auprès des consommateurs, puisque c'est eux que tu dois viser pour leur faire utiliser l'application, parce que c'est plus cette partie-là en fait qui a pêché souvent dans les applications qui ont essayé d'être lancées. Alors exactement, il y a d'une part de la pédagogie, après c'est de la présence aussi sur le terrain, sur les réseaux sociaux. Nous, notre différenciation se fait vraiment sur le réseau social, sur le partage que vont faire les utilisateurs entre eux. On est vraiment sur une application de type Waze. On souhaite être le Waze du commerce de proximité. Et donc que les personnes puissent s'échanger les bons plans, promos, actus, et du coup avoir une dynamique sur le réseau. Si c'est juste un annuaire de commerce de proximité, effectivement, ça a déjà été fait, et c'est difficile à prendre auprès des utilisateurs. On souhaite que l'utilisateur il soit acteur sur notre application, et ce qui va faire la viralité de l'application. C'était la dernière question. Merci, Happy City. Merci beaucoup. Désolée pour la déstabilisation, mais c'est le chrono, c'est le jeu. Moi, je suis le maître du temps. Les startups ont 1 minute 30 pour pitcher, pas une seconde de plus. Comme ça, tout le monde est à égalité. Donc, il reste 2 startups. Après, ça sera la fin de la session. Le jury pourra aller délibérer et nous dire quel a été son coup de cœur sur cette session. Le jury a également en poche des cartes débrief zone. S'il y a une start-up qui leur a tapé dans l'œil, ils peuvent lui dire « Ok, on va discuter tous les deux dans la débrief zone ». Donc, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux, nous dire « Moi, je pense que celle-là, elle mérite un tête-à-tête, celle-là, elle mérite vraiment d'être le coup de cœur parce que... » Et on verra qui est-ce qui a raison. Donc, avant-dernière start-up à venir pitcher sur la scène du Marathon Pitch, cher groupe, 1 minute 30 pour pitcher, 1 minute 30 de questions-réponses. On l'applaudit, on lui donne de la force, on l'encourage.
C'est parti. Merci. Et bonjour à tous. Donc, je suis Franck, cofondateur de Share Group. Share Group, c'est quoi ? C'est la première solution de paiement en ligne pensée pour les groupes. On est parti d'un constat simple il y a 2 ans. C'est que lorsque vous souhaitez acheter à plusieurs sur des sites internet, une personne est obligée d'avancer pour les autres. Et c'est souvent la même. En l'occurrence, avant, c'était moi. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même trouver une solution pour ça. Ça peut arriver quand vous achetez plusieurs billets d'avion, par exemple, quand vous achetez plusieurs places de concert ou quand vous souhaitez louer un appartement et que vous vous rendez sur votre plateforme. Donc nous, on a résolu ce problème de l'avance en proposant une solution de partage de paiement qui est intégrée au checkout des sites partenaires. Et donc ça permet à l'initiateur de l'achat de groupe de pouvoir partager le montant avec les différents participants. Comme ça, chacun peut payer sa part. Et dans le cas des billets d'avion, par exemple, chacun peut bénéficier de l'assurance de sa carte bancaire, ce qui n'est pas le cas quand c'est une seule personne qui paie. Aujourd'hui, notre marché cible, c'est l'e-tourisme et l'événementiel. Donc c'est plus de 70% de l'e-commerce en France. On travaille avec Air France, on travaille avec le Stade de France, on travaille avec l'UCPA. Plus d'une quarantaine de partenaires. Et aujourd'hui, on cherche à accélérer notre croissance, raison pour laquelle je suis là devant vous, pour pouvoir financer le recrutement, notamment de commerciaux, pour nous permettre d'atteindre notre objectif d'être le leader européen du partage de paiement d'ici 2 ans. Je vous remercie. Merci. On passe aux questions-réponses. Comment est-ce que tu gères l'avance de trésor pour les e-commerçants ? Alors en fait, non, ce sujet, c'est particulièrement pour l'événementiel, puisqu'il y a un sujet de disponibilité des places. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une auto, donc c'est un terme un peu technique, mais c'est une autorisation de l'ensemble du montant sur la carte de l'initiateur, ce qui fait que si un participant ne participe pas, l'initiateur est automatiquement prélevé. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, ce qui fait qu'après, tu envoies des notifs à tous les participants du pool. Ça. Voilà, en effet. Mais donc, moi, en tant qu'utilisateur, je ne peux pas refuser l'opération si personne n'a répondu. Si mes potes ne veulent pas me donner l'argent, paye et tant pis pour moi ou... Voilà, dans ce cas-là, en effet, tant pis pour toi. Et tant mieux pour les autres, au final. Mais par contre, on a une deuxième expérience, et donc ça, pour rentrer un peu plus dans le détail, mais on permet aussi une validation partielle de la commande. C'est-à-dire que si tu as 3 personnes, par exemple, tu es un groupe de 6, il y a 3 personnes qui n'ont pas validé leur participation, on valide 3 billets sur 6. Ça, on est en capacité de le faire. C'est ce qu'on fait avec Air France en particulier. Bonjour. Bonjour. C'était un petit peu, finalement, la même question. Si on prend l'événementiel, il y a une certaine urgence à faire l'achat. Et ça, en fait, donc, ça demande une préparation en amont pour savoir qui veut acheter, sachant que le prix n'est pas forcément connu à l'avance pour des billets de concert ou des billets d'avion. Donc, qu'est-ce qui doit être préparé avant l'acte d'achat entre les participants ? J'ai pas très bien compris la question, mais les je vais essayer de répondre. Doivent se mettre d'accord sur quoi avant l'acte d'achat, qui est souvent urgent et non prévu en termes. Enfin, les prix sont pas fixes. Ben alors, en amont de l'achat, en effet, c'est un achat planifié. Donc le groupe sait avec qui, c'est-à-dire qui sont les différents participants et qu'est-ce qu'ils veulent acheter. Donc quel est l'événement précis. Donc l'initiateur se rend sur le site, choisit par exemple les 6 places pour le tournoi de destination, le match France-Irlande. Et à ce moment-là, il va sélectionner les 6 places et il va ajouter l'adresse mail de chaque participant. Et chaque participant va pouvoir recevoir un email pour payer sa part. C'est ce qui est aujourd'hui en production au Stade de France. J'espère avoir répondu à la question, mais je n'avais pas très bien compris au début. Merci, cher groupe. On peut Merci. Vous applaudir. Merci beaucoup. Donc là, c'est la dernière start-up pour cette 3e session. Ensuite, le jury ira se réunir pour désigner son coup de cœur. Donc sur scène, j'appelle B&Co. B&Co, dernière start-up sur cette 3e session du Marathon Pitch. B&Co est dans les parages. Comme une abeille, B&Co se promène, peut-être. Donc, là, c'est la 3e session du Marathon Pitch. Il y a une 15aine de start-up qui sont venues pitcher. Il y a 10 fonds d'investissement et nos partenaires qui sont là devant moi. Ils vont choisir leur coup de cœur dans quelques minutes, se réunir. Et vous aussi, vous pouvez nous dire, si vous avez participé à cette session, quel a été votre coup de cœur. On me fait signe que B&Co ne sera pas présent.
Eh ben, dommage. Donc, ça veut dire que la session se finit, que le jury peut aller se réunir, débriefer, délibérer. Et on se retrouve dans quelques minutes pour savoir, pour connaître le coup de cœur du jury sur cette troisième session. Vivant, ok, on vibre. Donc, très bien. Donc, notre partenaire Frédéric Noël, IME, qui va désigner. Donc, il y a un coup de cœur sur cette session. Oui. Oui, il y a un coup de cœur. Un coup de cœur franc, un coup de cœur un cœur qui bat fort ou pas? Un bon coup de cœur, ouais, qui a été assez unanime là, et même si c'est jamais, enfin voilà, c'est jamais évident de trancher net. Est-ce que ça se bat un peu dans les coulisses, entre les membres du jury, ça se tire les cheveux? Ah ouais, ça se voit pas là, mais ouais. Ok, d'accord. Il y a de la passion, quoi. Donc, les critères. Les critères du coup de cœur. Que vous avez regardé. Qu'est-ce que vous avez regardé en priorité? Alors, on a regardé l'énergie et l'enthousiasme, déjà, du dirigeant. La base. Évidemment. La personnalité et après l'opportunité de marché, évidemment aussi, et là et voilà là, les perspectives que le dirigeant a su nous proposer. Donc le coup de cœur de notre jury sur cette troisième session du Marathon Pitch est Mouna. Ok, félicitations à Mouna. Est-ce que Mouna veut bien nous rejoindre sur la scène? Il y a deux femmes, un coup de cœur sur ces sessions pitch. Hein. Bien ça. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qui vous a plu? C'est ce que je viens de dire, exactement. Son énergie, son enthousiasme. Voilà, elle a su nous transmettre toute l'envie qu'elle a de, et l'envie de dormir aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai voté pour toi, d'ailleurs. voilà. Bah, bravo, merci beaucoup. Bravo. Félicitations à Mouna, merci beaucoup, merci à notre partenaire IME, merci aux membres du jury. Je rappelle que dans les membres du jury, nous avons 10 fonds d'investissement qui sont présents,
Kerala Venture, Entrepreneur Venture, Iris Capital, Briga, Alven, Serena Capital, Daphni, Partech, Ogesco Venture, Autium et notre partenaire sur cette session, IME. Le coup de cœur. Le coup de cœur. Donc là, Mouna, qu'est-ce qui remporte ? Deux passes start-up pour Viva Technologie 2018, une prise de parole en une de Éco-Société et une première formalité légale offerte par Éco-Formalité. Donc restez avec nous. Maintenant, c'est la dernière session de cette journée, hein, parce qu'on est là demain aussi. Hey. Donc, dernière session, là, on arrive sur des start-up en développement. Jusqu'ici, on était sur des start-up en amorçage, donc il y a eu des pitchs rapides. Là, maintenant, on est sur des start-up en développement, donc qui ont un peu plus de bagages, on va dire. 3 minutes pour pitcher. 3 minutes d'échange avec le jury ensuite. Voilà. Donc là, on est sur une autre catégorie. Les règles, cependant, sont les mêmes. Le jury, à la fin de cette session, va désigner un coup de cœur. Vous aussi, vous pouvez faire vos pronostics, nous dire quelle a été la start-up que vous préférez. Et voilà, hein. Donc je pense qu'on va, on va très vite passer à la première start-up. Tous les membres du jury sont là ou pas ? On dirait que oui. Première start-up à me rejoindre pour cette dernière session de la journée sur la scène du Marathon Pitch. J'appelle Digifood. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît, lui donner de la force pour ouvrir le bal. C'est parti. 3 minutes. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Armand. Je suis l'un des cofondateurs de Digifood. C'est une aventure qui est née en 2014. En fait, à peu près tout le monde ici, comme moi, est allé au moins une fois dans un stade, voir un match, dans un concert, chanter finalement dans les tribunes. Et finalement, un acte banal peut tout déstabiliser dans une expérience qui peut paraître inoubliable. C'est celui de se rendre au point de vente pour consommer. En effet, toutes les personnes se lèvent à peu près comme un seul homme dans ces événements, que ce soit à la mi-temps d'un match, ou lors de l'entracte d'un spectacle, ou même lors du déjeuner ici dans un congrès ou dans un parc d'exposition. Ce qui a pour conséquence de rendre les points de vente complètement saturés, bondés, et finalement, vous n'allez pas consommer. Du coup, je pense qu'on peut, on mérite tous un peu mieux que ça comme expérience. Alors, notre devise chez Digifood, c'est « Make our buvette great again », pour justement essayer de redynamiser un peu tout ça. Aujourd'hui, notre solution, enfin, nos solutions ont été implémentées sur plus de 600 événements en France et en Espagne depuis peu. L'idée, c'est de proposer des solutions dites phygitales, puisqu'elles interviennent sur les différents pans de l'activité de la restauration. Notamment phygitales, car sur la partie physique, nous proposons des caisses enregistreuses couplées à un logiciel ERP pour faciliter l'approvisionnement des produits et également fluidifier les files d'attente avec des paiements plus rapides. Digital, par exemple, avec des applications, notamment une application personnalisée qui permet aux spectateurs de se faire livrer à sa place pendant l'événement en 5 minutes. En proposant l'ensemble de ces solutions, on répond à l'ensemble des problématiques clients, organisateurs. Aujourd'hui, la partie digitale est très importante puisque ces nouveaux canaux d'acquisition représentent in fine sur un chiffre d'affaires global environ 30%, tant sur la partie ambulante que sur la partie application, livraison à la place pendant l'événement. Aujourd'hui, enfin en 2017, on a livré 200 000 produits en 5 minutes. On a recruté 1 000 personnes sur l'ensemble des événements sur lesquels nous avons participé. Et nous avons levé 500 000 euros en seed il y a maintenant 15 mois. Et nous sommes actuellement dans un process de série A dans lequel j'espère certains d'entre vous nous accompagneront. Je vous remercie pour votre attention. On passe aux questions-réponses avec le jury. Tu avais encore un peu de temps. Hein. Oui, alors si je peux le dire, mais on a plein de partenaires géniaux en France. C'est un marché énorme qui représente 1 milliard d'euros en Europe. Et j'ai parlé de l'Espagne, j'ai pas parlé d'un pays plus petit qui s'appelle la Suède dans lequel on se lance la semaine prochaine. Ok, merci. On passe aux questions-réponses avec le jury. Pas de micro là, qui traîne. Ok. Voilà. Est-ce qu'il marche ? Ouais, parfait. Hello, merci. Moi j'avais juste une question sur
En gros, je comprends bien ce que vous faites, du coup, le POS et la partie digitale. Comment est-ce que ça, enfin, c'est quoi le use case typique? Comment est-ce que ça se passe de A à Z, côté client et côté, côté buvette? Alors, dans un premier temps, on va démarcher justement les organisateurs, donc les stades, les clubs de football, les parcs d'exposition, les prestataires de restauration, puisque peu de personnes le savent, mais dans un stade, c'est pas le PSG qui produit les jambons fromage que vous achetez. Donc, on va faire un contrat commercial tripartite, justement, pour proposer cette solution, définir les enjeux opérationnels, marketing et techniques, bien entendu. Ensuite, côté utilisateur, de par justement les campagnes de communication qu'on peut réaliser avec le club, on va diffuser le fait que justement aujourd'hui des nouveaux services soient disponibles, tant sur la partie physique en disant voilà, vous avez des vendeurs ambulants que vous pouvez apercevoir un peu partout, et une application ou une fonctionnalité au sein de l'application du lieu dans lequel vous pouvez bénéficier de ce service justement. Voilà. Et ça se met en place en à peu près 15 jours. Il y a une acquisition un peu plus longue sur la partie commerciale. Le temps de changer un peu toutes les mentalités traditionnelles. Merci. Bonjour. Bonjour. Personnellement, ça me prend beaucoup d'énergie d'installer une app. J'aime pas ça du tout. Surtout quand je suis en train de vivre une expérience de concert ou de match. En plus, ça peut pas très bien passer niveau réseau. Donc le download peut être un peu long. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de communiquer avec les smartphones des futurs consommateurs, je pense aux bots sur Messenger ou c'était développé ailleurs? Alors, j'en ai absolument pas parlé, c'est vrai. On a d'autres solutions effectivement qui existent, donc les bots, les bornes tactiles qu'on peut mettre en place, la prise de commande ambulante, un peu comme ce que vous avez déjà vu chez McDonald's à l'époque où une personne venait vous prendre votre commande et vous arriviez à un point de vente et votre commande était déjà prête. Donc c'est des hôtesses finalement ou des hôtes d'accueil qui passent et qui prennent vos commandes. Et la vente ambulante également, donc c'est des personnes qui ont généralement un baril dans le dos et qui peuvent justement vous désaltérer quand vous en avez envie pour limiter justement le fait que vous n'ayez pas de place et que vous n'ayez pas besoin de supprimer vos photos pour télécharger une application. Le problème que tu évoques, c'est un problème que certaines saladeries, enfin restaurants, peuvent avoir le midi. Est-ce que ce serait très différent de proposer le même produit à des restaurants? Et si, parce que c'est un marché qui est plus gros. Et si oui ou non, pourquoi tu le fais pas ou pourquoi tu le fais? Je pense que le marché de la restauration du midi, en tout cas, commence à être assez saturé. Je pense que d'autres startups ont levé beaucoup trop. Et faut le dire. Et aujourd'hui, je pense que c'est plus intéressant de se positionner sur un marché comme celui de l'événementiel, de manière générale, qui est encore un peu obsolète et qui finalement génère peu de revenus, alors que vous avez 80 000 potentiels consommateurs au Stade de France et que vous avez même pas 20% qui vont au point de vente. Merci Digifood, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Il y avait une autre question, bah, peut-être ça sera l'occasion de sortir la carte des brief zones et d'aller discuter après le pitch. Et ouais. Merci Digifood, je récupère le micro. Donc là, on est sur... Ça va? Oui. On est sur la dernière session de cette journée, on est sur des startups en développement. Avant, on était avec des startups en amorçage. Donc là, elles ont 3 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses avec le jury. Mais c'est toujours la même chose. Il y a un coup de cœur en fin de session. Il y a la possibilité de sortir sa carte de débrief zone. Voilà. Et vous aussi, vous pouvez faire vos pronostics. On passe à la deuxième start-up. J'accueille sur la scène Hello Zach. Hello Zach. Merci beaucoup. Je vais commencer par une petite question. Qui d'entre vous fonctionne sur les produits Apple, donc Mac et iPhone? Super. Et deuxième question assez simple. Qui d'entre vous fonctionne sur des produits Apple et a des produits Apple en stock dont il ne se sert plus? Parce qu'il en a eu plusieurs au boulot, il y en a qui finissent dans les tiroirs, parce que vous avez des enfants qui ne s'en servent plus. Qui en a en stock et ne s'en sert plus? Voilà. L'idée générale en fait d'Elozac, c'est qu'aujourd'hui c'est très facile d'acheter en ligne. En un clic sur Amazon, votre produit arrive le lendemain. Mais la partie revente de produits de seconde main est très compliqué. Vous devez trouver le bon prix. La plupart du temps, vous n'avez pas forcément une bonne idée d'à combien vous pouvez reprendre un prix à un particulier sur une plateforme, sur une marketplace.
Vous devez, si vous voulez décrire votre produit, vous devez ensuite prendre des bonnes photos. Vous allez interagir avec des acheteurs potentiels. Bref, beaucoup de gens ont la flemme, n'ont pas le temps ou juste pas envie. Et donc, du coup, vous avez de la valeur ajoutée, du pouvoir d'achat, en fait, qui dort dans vos tiroirs. Donc, Elozac, c'est tout simple. Vous faites une estimation en ligne sur elozac.fr. Derrière, on a un algorithme qui vous sort en pricing automatique. Ensuite, vous bookez un coursier qui viendra où vous voulez, quand vous voulez. Checkez votre produit, vérifiez qu'il correspond bien à l'estimation que vous avez faite en ligne et vous payez directement. Donc en gros, une fois que le coursier est parti, vous ne le revoyez plus jamais, vous avez votre argent, vous allez à Fnac, à Monoprix, vous voulez, mais en tout cas, vous avez directement votre argent. Les solutions classiques, vous devez envoyer votre produit, vous allez le payer au bout d'une semaine, etc., etc. En gros, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite levée de fonds en octobre 2016, 150 000 euros, juste pour prouver concrètement s'il y avait un marché, pour recruter une première équipe, tester tout ça. Et en un an, donc en janvier 2017, on a fait 5 000 euros de chiffre d'affaires. En décembre 2017, 110 000, 600 000 au total sur cette année, avec encore une fois cette levée de 150 000 euros. On est rentable sur décembre. Et donc l'idée, c'est que, vous l'aurez compris, comme on achète et on revend ensuite, on a besoin d'augmenter notre capacité de financement, notre BFR, pour aller plus loin. La deuxième idée qu'on a, mais c'est pas le cœur du business, mais je vous en parle quand même, c'est qu'en gros, aujourd'hui, si vous revendez en B2B, vous allez devoir négocier avec des grossistes par Skype, par mail ou par WhatsApp. C'est pas une blague. Donc en gros, imaginez que vous recevez un mail. Bonjour, j'ai 200 iPhones à vendre. Il y en a 100 qui sont des iPhone 6S 64 Go. Il y en a un qui est grade A, l'autre grade B. Bref, vous avez 20 mails avant d'arriver sur un devis final. Donc nous, notre idée, c'est qu'on a commencé à créer ça. On fait un petit SaaS à côté qui est juste pour nous. On met notre stock en temps réel. Vous pouvez en gros shotgunner des produits si vous voulez en racheter. Le pricing est intelligent parce que de toute façon, on a déjà créé l'algorithme. Et donc derrière, en gros, si jamais ça marche, de toute façon, il nous sert. Peut-être que les gens, enfin les gros sites vont s'agglomérer progressivement dessus et que ça devienne enfin une plateforme avec une UX assez sympathique pour les grossistes en produits Apple. Donc voilà, on a enlevé de fonds, la deuxième du coup, on vise 1 million d'euros, closing début mars si possible. On a fait baisser énormément notre coût d'acquisition, le temps de traitement, voilà, on pourra en reparler derrière parce qu'il y a des KPI hyper importants en termes de logistique, combien nous prend un produit Apple par temps de traitement, combien de personnes on a besoin pour traiter un certain nombre de produits Apple, etc. Et donc voilà. Merci. Merci pour votre attention. On passe aux questions-réponses. 3 minutes. Question donc sur l'aval, pour comprendre déjà alors quelle commission tu fais et à qui tu revends. Et quelle commission, pardon ? Quelle commission tu vas faire entre les deux quand tu revends après au grossiste ? Et le marché justement de la revente d'occasion de ce type de produit, un peu, combien il pèse ? Ouais. Alors sur la commission, en gros, c'est un peu paradoxal, mais on ne parle pas de commission vu qu'en fait on rachète et on revend derrière. Mais bon, en gros, on fait 25% de marge nette sur chaque produit. Concrètement, cette marge, c'est le prix que les personnes qui veulent se séparer mais pas s'occuper de tout le process de revente sont prêts à payer. Et l'idée un peu paradoxale aussi, c'est que nous, sachant que c'est notre business, en fait, on revend plus cher qu'un particulier pourrait le faire lui-même. Pourquoi ? Imagine, tu as un produit Apple à revendre, tu vas commencer à 600 euros sur le bon coin. En fait, ce prix, c'est n'importe quoi. Tu vas le mettre à 550 une semaine après, sauf que ton produit perd de la valeur entre-temps. Et finalement, tu vas te dire, bon, j'en ai ras-le-bol, je le fais à 300, bim, il part quoi. Donc en gros, au total, tu as 300 euros de pouvoir d'achat qui ont disparu. Alors que si tu le mets au bon moment, au bon endroit, parce qu'on a notre algorithme, en gros, scrap, hein, c'est pas sorcier eBay, Amazon, etc. en temps réel, déjà, tu gagnes là-dessus. Et la deuxième question, pardon, je suis fatigué. Sur le marché de la revente. Le marché de la revente, en gros, concrètement, alors les évaluations, on sait ce qu'elles sont sur les profondeurs de marché, mais en Europe, le produit Apple, le seconde main, on l'a évalué à 900 millions d'euros uniquement en Europe. En gros, tu prends tous les produits qui sont vendus par année, t'enlèves ceux qui sont cassés, ceux qui sont déjà revendus, ceux qui vont directement à la poubelle, la probabilité que quelqu'un, quoi qu'il arrive, même si on fait une com' incroyable, ne le revendra jamais, etc. On est sur 900 millions d'euros. Et c'est super simple. Aujourd'hui, on est en France, là-dessus. On fait des partenariats avec des grandes marques du retail qui sont bientôt closées, je l'espère, parce qu'en fait, on rajoute, si tu veux, un nouveau service et après, on paye en pouvoir d'achat. Par exemple, tu prends, je ne vais pas les citer, mais un site internet d'une grande marque. Tu revends ton produit Apple via Elozac. Tout le process, c'est nous. Et derrière, on paye en pouvoir d'achat. Donc, en gros, le site internet, nous, on profite de sa communication qui existe déjà sur son site, acquisition en masse. Et derrière, lui, ça fait des gens qui viennent dépenser... en gros, ce qu'on aura payé. Ce qui est particulier, c'est qu'on paye nos clients quand même, ce qui est plutôt sympathique. Autre question ? Peut-être déjà 3 minutes, et puis vous en êtes au 100e pitch de la journée. Donc... Il y a encore du temps. C'était pour comprendre, donc en fait, tu achètes plutôt à des particuliers, mais par contre, tu revends ouais. En B2B. J'ai peut-être été rapide là-dessus. On n'achète qu'à des particuliers, même si de temps en temps on fait un peu d'hors process quand, parce qu'on commence à être tellement mal connu, il y a des gens qui nous disent, enfin des business qui nous disent on a 600 produits, on aimerait bien s'en séparer. Et les reventes aujourd'hui, c'est 50% sur Back Market, peut-être que vous connaissez, qui est une plateforme qui sort de Numa.
parce qu'on les a connus là-bas, ensuite Amazon, ensuite eBay, et on fait effectivement du grossiste derrière, en B2B. Les marges sont plus faibles, mais pour scaler, c'est plus simple, parce qu'en gros, vous avez X consommateurs en acquisition, et on essaye de réduire le nombre de personnes, enfin de touchpoints sur la partie revente, sinon c'est juste l'enfer, il nous faudrait 200 personnes à full time. Mais et du coup, quelle est la différence avec Back Market sur l'acquisition de, d'iPhone? Back Market, c'est toi qui vas acheter un produit. Non, en fait, on rachète les produits. Back Market, c'est de l'iPhone reconditionné. Ouais, mais c'est une marketplace. C'est-à-dire que tu vas sur Back Market, t'achètes ton produit, il touche jamais le produit, tu peux pas le revendre sur Back Market. Enfin, tu peux pas le revendre. Ouais. Pardon. Effectivement, c'est vraiment la marketplace parfaite. Ils sont incroyables sur tous les emails transactionnels. Sur, enfin, je pense que c'est un modèle pour tout ce qui est communication en B2C. Mais ce que tu peux faire chez eux, c'est d'acheter un produit et eux, en gros, t'as des reconditionnaires dessus, dont nous, parce qu'on vend chez eux. Et on s'engage, c'est hyper malin parce qu'on s'engage sur une charte en fait, et eux ils touchent jamais le produit, donc ils touchent la commission basale. Les 3 minutes sont écoulées, merci beaucoup. C'était Elozac, vous pouvez l'applaudir. Ah, il y a une carte débrief qui a été échangée discrètement, mais je vois tout, je dis tout. Donc, on est sur la dernière session pour aujourd'hui. Du Marathon Pitch, on est sur des startups en développement, tout à l'heure on était sur des startups en amorçage. On a interviewé les membres du jury, tout à l'heure on était avec des fonds d'investissement et ils nous ont donné leurs critères. Comment est-ce qu'ils choisissent leur coup de cœur sur les sessions? Alors, il y a l'opportunité de marché, le business model, mais évidemment il y a aussi l'humain, l'énergie. Est-ce que la personne qui est là, qui vient pitcher devant nous, est-ce qu'elle a la foi? Est-ce qu'elle nous a communiqué son enthousiasme? Ça, c'est super important. Donc, message à toutes les startups qui viennent ici sur la scène, donnez tout. Il y a 10 fonds d'investissement, 25 millions d'euros de possibles. Donc, j'accueille tout de suite la startup suivante. C'est Flou. On l'applaudit. On lui donne de la force pour qu'ils viennent nous convaincre. C'est parti, 3 minutes de pitch. Merci. Alors moi, j'ai une histoire de garage à vous raconter. Ça a démarré il y a 5 ans dans mon garage. J'ai démarré ma société e-commerce et je ne me suis pas sorti de salaire pendant 2 ans. Aujourd'hui, j'ai créé le Amazon dans mon secteur d'activité, à savoir qu'en termes de visibilité, en termes de positionnement, produits, services, etc., sur mon marché, je suis au top. Voilà. Qu'est-ce que je vends? Donc, je vends des produits pour les personnes déficientes visuelles. Donc, c'est les malvoyants et les non-voyants. Donc, on va vendre des loupes. On va vendre des montres parlantes. On va vendre des agrandisseurs, des machines qui lisent le document à votre place. Voilà, ça, c'est ce qu'on vend. Donc, on est distributeur aux particuliers. Voilà. Donc, l'idée est venue du beau-père, qui est lui-même déficient visuel. Voilà. Et donc, comment on va le vendre? Par Internet, parce qu'aujourd'hui, on est devenu multicanal. On va vendre par Internet, on va vendre par catalogue papier, on va vendre dans notre boutique. Il y a des gens qui font 400 km, on est de Strasbourg, et d'ailleurs, je fais un petit coucou à l'équipe. On est donc 9 personnes, je l'ai déjà dit, 1 million de chiffre d'affaires. On a dépassé le million de chiffre d'affaires, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Bref. Donc, du coup, on va vendre par catalogue, en boutique, et on va aussi vendre à domicile. Donc, pourquoi je suis là maintenant? Parce que j'ai toujours été en autofinancement, j'ai jamais eu besoin, j'ai d'ailleurs toujours été rentable, j'ai jamais eu besoin de lever des fonds. Alors j'ai eu la chance qu'il y ait des investisseurs qui m'ont suivi, qui sont rentrés il y a un an et demi pour m'accompagner justement dans cette croissance. Donc je suis là aujourd'hui parce que j'ai constaté que sur mon marché, qui pèse 50 millions d'euros environ, et qui est en forte croissance pour des raisons démographiques, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de leader incontesté. Aujourd'hui, le marché, il est détenu par des opticiens. Et les opticiens, il n'y a que 5% des opticiens qui s'intéressent à ce marché. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui n'est pas compatible avec leur business model. C'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Les marges sont faibles. L'investissement en formation, en matériel, tout ça, c'est énorme. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne s'y intéressent pas. Les marges sont beaucoup trop faibles par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je suis là parce que je sais comment hacker ce circuit de distribution dans le physique, sur le terrain. Voilà. Mon but, c'est ça, je ne le cache pas, c'est de hacker le système de distribution des opticiens. Donc, pour ça,
Je pense qu'il faut des équipes, il faut renforcer les équipes. Il y a des investissements, il y a des projets, même de location de matériel. Les idées, il y en a plein. Il suffit effectivement juste de disrupter un peu le timing. Parce que je pourrais le faire dans le temps, mais ça va me prendre beaucoup d'années. Et je pense qu'effectivement, avec une levée de fonds, eh ben, ça pourrait donner le boost qui est nécessaire. Parce que là, ici, il y a une place de leader qui est libre. Je veux dire, sur mon marché, c'est hallucinant. Il n'y a pas de Ikea comme dans le meuble, il n'y a pas de Décathlon comme dans le sport. Elle est là, la chaise, elle est libre. Et c'est... Voilà, je vous ai donné les raisons tout à l'heure. Si ça vous intéresse, on peut en parler encore après en privé. Et puis voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, c'est flou. On passe aux questions-réponses. Questions-réponses. Bonjour. Quand tu dis hacker le marché des opticiens, l'enjeu c'est plutôt de se développer du coup dans un marché physique en ouvrant des points de vente ou en ligne, enfin comment dans les différents axes. C'est là où au niveau confidentialité, je peux pas tout dire parce que bon pour les raisons que vous connaissez, sinon quelqu'un d'autre pourrait le faire aussi. Sauf que moi j'ai la maturité pour le faire. On est là depuis 5 ans, on connaît le marché, on a la logistique, on a toutes les équipes, on est en place. Du coup je suis désolé, je suis parti ailleurs dans la question. L'idée, c'est de comprendre un peu sur les différents canaux de distribution. Oui, c'est vraiment le physique. Le but, c'est vraiment d'aller sur leur terrain, eux. Vu qu'on a déjà ce bon positionnement sur Internet, c'est vraiment le physique. C'est ça qui est effectivement le cheval de bataille. Et un malvoyant, aujourd'hui, il n'y a qu'un malvoyant sur 10 qui est sur Internet, qui est équipé. Parce qu'on est dans le monde du handicap, le handicap visuel. Donc c'est un petit marché. Et en plus, les gens ne sont pas sur Internet. Donc effectivement, c'est dans le physique que ça se passe. Et c'est pour ça que je suis là. Mais est-ce qu'en physique, la difficulté, c'est pas que justement les personnes à qui tu t'adresses sont hyper éclatées en fait, sur le territoire, et donc finalement par une offre digitale, tu pourrais un peu les toucher où qu'ils soient, là où en physique, c'est plus difficile Mais il y a une autre raison, justement. C'est juste, c'est aussi ça, c'est parce que c'est très éclaté que c'est un petit marché de niche dans la niche, mais c'est aussi justement parce que aujourd'hui, on a le réflexe, je veux une lunette, je vais chez l'opticien. Aujourd'hui, vous croisez un malvoyant dans la rue, ou un aveugle, il n'y a pas de boutique physique à côté de chez vous. Donc le but, c'est qu'il y ait ce réflexe, justement, avec un relais terrain sur chaque département, etc. Donc oui, le but, c'est vraiment de s'étendre sur tout le territoire, mais dans le terrain. Bonjour. J'avais juste une question. Est-ce que vous cherchez à lever des fonds ou est-ce que vous avez une stratégie d'expansion? Alors, je suis honnête avec vous. Il y a 15 jours, je ne savais pas que je serais là. Ce n'était pas un objectif. J'ai eu ma boîte mail, j'ai cliqué et voilà, j'étais accepté. C'est comme ça. Mais maintenant que j'y ai réfléchi et que j'ai été accepté, je trouve que c'est la suite logique. Parce que j'ai besoin de court-circuiter le temps. C'est la raison pour laquelle je suis là. Donc je pense que c'est nécessaire. Maintenant, ça peut être complémentaire avec des crédits bancaires, comme je l'ai déjà fait dans le passé. J'en ai déjà fait plusieurs. Alors, d'autres questions? Ok. C'est clair. C'est flou, c'est clair. C'est flou, c'est clair. J'étais obligée de la faire. J'étais obligée. Merci beaucoup, c'est flou. On passe à la start-up suivante. Donc, pour cette session, dernière session de la journée en marathon pitch sur des start-up en développement, on accueille Inpact sur la scène du marathon pitch. Merci de lui donner de la force. Ça pitch, 3 minutes. C'est parti. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Jérôme Gras. Je suis gérant de la société Inpact. Nous sommes commissionnaires de transport, communément appelés affréteurs. Nous officions dans le secteur du transport routier de marchandises. Pour vous situer un petit peu, d'un côté, il y a le client, l'entreprise, l'importateur de biens qui a besoin de faire transporter ses marchandises. De l'autre côté, il y a le transporteur avec ses camions. Nous intervenons dans cet écosystème en tant qu'organisateurs de transport. Nous organisons les transports de nos clients avec la place disponible dans les camions de nos transporteurs. Nous vendons nos prestations à nos clients, nous achetons la place
disponible dans les camions de nos transporteurs. Alors concrètement, comment ça se passe? Le client me passe une commande. Sur la centaine de transporteurs disponibles pour pouvoir réaliser la prestation, j'en ai référencé durant mes précédentes expériences environ une vingtaine. Sur cette vingtaine, j'en appelle, j'en consulte environ 4 ou 5 maximum pour un évident souci de productivité. Pardon. Voici la problématique donc de l'affréteur. Il ne consulte jamais l'ensemble des possibilités existantes. Maintenant, du point de vue du client. Le client, pour répondre aux exigences économiques actuelles, il a besoin d'une solution transport avec un prix rapide, fiable et juste. Ce qu'aucun affréteur actuel n'est en mesure de lui donner. Le transport est donc pour lui un souci, et le transport est donc pour lui maintenant devenu lourd, chronophage et budgétivore. Du constat de ces deux problématiques, en partant de notre problématique d'affréteur et de la problématique client, nous avons créé l'affréteur numérique, la solution transport en 3 clics, 15 minutes au prix du marché. Le client tape sa commande sur Internet, il valide, 15 minutes après, il a une solution fiable avec un prix juste. On libère totalement le client de son souci transport en agissant sur 3 leviers essentiels. Simplicité, temps, argent. La solution transport en 3 clics, 15 minutes au prix du marché, c'est Impact. Nous sommes lauréats du réseau Entreprendre. Nous sommes soutenus par BPI, Isère. Nous sommes accompagnés et soutenus par la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du plan Ambition PME. Impact, l'affréteur numérique, la solution en 3 clics, 15 minutes au prix du marché. Merci à tous. Merci beaucoup. On passe aux questions-réponses avec le jury et Impact. Bonjour. Désolé de rentrer un peu dedans. C'est un marché sur lequel il y a beaucoup de concurrence en ce moment. Je pense qu'en France, sur ce créneau-là, il y a au moins 3 ou 4 startups qui ont déjà levé et qui sont vraiment en train de se développer. Du coup, sur qu'est-ce que vous utilisez vraiment? Qu'est-ce qui va vous différencier par rapport à ces concurrents? Alors, il se trouve que, malheureusement pour eux, les autres ne connaissent pas vraiment le transport. J'ai la prétention de le dire, puisque nous et mes associés et moi, nous avons cumulé à nous trois 70 ans d'expérience dans le transport. Fort de moi, l'exploitation et de eux, commerce. Eux, ils ont l'argent, l'idée. Nous, on vient du bas et clairement, on n'a pas le même modèle. Nous, tout simplement, on agit sur... Déjà, on donne une obligation de résultat au client, c'est-à-dire que lui, il a une réponse sous 15 minutes. Aucun des autres candidats ne donne une réponse dans un délai si court et ne donne un délai. Pour cause, j'ai pu ouvrir un compte chez chacun de mes concurrents, alors que je suis moi-même commissionnaire de transport. C'est juste pas normal. Les commissionnaires de transport n'auront pas le droit de s'inscrire sur ma plateforme, puisqu'on est concurrent et qu'en tant que commissionnaire de transport, on peut soit être chargeur, donc c'est-à-dire expédier des marchandises, soit être transporteur, transporter la marchandise en la sous-traitant. Donc on peut intervenir sur les deux tableaux, sachant que pour Ever Road et donc Renault Truck, je peux m'inscrire en tant que commissionnaire de transport, je peux expédier des marchandises et je peux les transporter. Leur modèle ne tient pas. Pour Freightlink, c'est le concurrent le plus sérieux, je l'avoue. Effectivement, commissionnaire pour lui, je ne peux pas m'inscrire. Ça n'empêche que le modèle n'est pas du tout le même. Et eux, ils imposent le prix aux transporteurs. Nous, on ne l'impose pas. Et donc, de cette façon, on ne se mettra pas les transporteurs à dos. Puisque la FNTR a déjà employé des mesures pour contrer ces solutions numériques. Voilà. La FNTR, c'est la Fédération Nationale des Transports Routiers, la FNTR, au cas où. Quelles sont pour vous les prochaines étapes de développement dans la vie de la société? Les prochaines étapes, là nous sommes en version bêta, en test de version bêta sur la région Rhône-Alpes. Et ensuite, nous voulons effectuer une levée de fonds pour attaquer le marché national. La prochaine étape, clairement, c'est le développement sur le marché national français. Et une levée de fonds de combien aujourd'hui? Environ 4 millions. Pas d'autres questions pour ici? Si, une petite dernière. Aujourd'hui, quelle est la taille de votre réseau de transporteurs? 2200. Quelle est la taille de la société aujourd'hui? Nous sommes 5 personnes.
Nous générons, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous générons déjà un chiffre d'affaires d'1,3 million. Nous sommes gré depuis 3 ans. Nous avons 3 exercices excédentaires derrière nous. Donc tous les feux sont en vert pour accueillir un investisseur. Merci Impact, merci beaucoup. Merci. Donc il y a encore quelques startups qui vont passer sur cette scène. Start jusqu'à 18h, on est là ensemble. Donc il y a un peu de courage. Vous êtes là ou pas? Ouais. Ok. À la suite de cette session, un coup de cœur. Donc vous aussi, dites-le nous en commentaire. Quel est votre coup de cœur pour l'instant sur cette session? Est-ce que c'est Impact? Est-ce que c'est Flou? A fait battre votre cœur? Hello Zach. Voilà. Donc j'accueille la prochaine start-up, Tideo. Est-ce que Tideo veut bien me rejoindre sur la scène du Marathon Pitch? On l'applaudit. Il va falloir donner l'énergie là parce qu'on est en fin de journée. Le jury est là depuis 14h. Il a faim. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc pareil pour les gens qui sont là. Donc il va falloir donner encore plus en fait à cette heure-ci. Prêt? 3 minutes de pitch. C'est parti. Bonsoir, donc moi je suis Fabien Zanini, je suis le cofondateur de Tideo. Je vais commencer par 2 anecdotes en fait. La première, j'ai une fille qui il y a 1 an et a voulu aller travailler à Londres. Et bien évidemment, quand elle a voulu postuler, on lui a demandé un CV et une lettre de motivation en anglais. J'ai un ami qui loue sa résidence secondaire et un jour il a eu un couple d'Allemands qui lui ont demandé un contrat non pas en français mais en allemand. Voilà, 2 exemples en fait tout simples pour vous montrer qu'en fait on a tous à un moment ou un autre potentiellement besoin d'une traduction de qualité. Alors aujourd'hui sur le marché, bien évidemment, qu'est-ce qui s'offre à nous? Il y en a 2 qui, à mon sens, ne répondent pas vraiment à notre besoin. La première, c'est la traduction automatique, puisque là-dessus, on va avoir une qualité plutôt aléatoire. Et la seconde possibilité, ce sont les sociétés de traduction classique. Une société de traduction classique, le problème, c'est que bien souvent, elles ne veulent pas travailler avec les particuliers. Quand elles le font, il y a un surcoût. Et parfois, il faut attendre 2-3 jours avant d'avoir un devis. Donc, pour nous, la solution, c'est Tideo. Tideo, c'est aussi simple qu'une plateforme sur laquelle vous pouvez donc charger votre document et qui vous donne un devis, une proposition tarifaire instantanément. À partir de cette proposition tarifaire, vous pouvez donc passer commande et la commande va aller auprès de traducteurs humains, j'insiste, professionnels. Tideo, c'est une plateforme qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sur Tideo, vous pouvez en fait charger jusqu'à 50 formats de fichiers différents, c'est-à-dire de l'Excel, du Word, mais aussi des formats plus complexes comme de l'InDesign. Et enfin, c'est un service qui est disponible dans plus de 40 langues. Comment fonctionne Tideo? C'est assez, elle fonctionne très simplement, c'est-à-dire vous chargez, comme j'ai dit, votre document, vous allez indiquer là où les langues dans lesquelles vous voulez faire effectuer votre traduction et vous allez indiquer le format de votre document mais également le domaine dans lequel le domaine qui concerne votre document, que ce soit du juridique, que ce soit du culturel ou autre. Là vous obtenez un devis donc immédiat et si le tarif qui vous est proposé vous intéresse, vous pouvez passer commande immédiatement. À ce moment-là, demande est envoyée à notre base de traducteurs qui répond le mieux aux critères de votre projet, qui sont le domaine, la langue et la disponibilité du traducteur. Et le premier traducteur qui accepte justement la traduction se voit confier le job. Le client a accès à toute l'information concernant son projet de A à Z. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On passe aux questions-réponses avec le jury.
Quelle est la taille du marché de la traduction en France ? Vous savez ? Alors, dans le monde, il représente 43 milliards. L'Europe représente à peu près 53% de ce marché. Et nous, c'est justement, on ne regarde pas seulement le marché français, ce qui nous intéresse, c'est ce marché européen. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui reste au savoir-faire humain dans la traduction par rapport aux machines ? Combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'il faudra penser rapidement à se passer des traducteurs pour aller vers de la traduction instantanée ? Je ne pense pas. En fait, cette question-là existe depuis très longtemps dans ce métier. Au tout début des premiers logiciels et de l'automatisation de certaines tâches, on a cru que le traducteur allait disparaître. Mais en fait, pas du tout. On s'est rendu compte que soit les machines ont pris un marché que les traducteurs ne pouvaient pas prendre. Dans le monde, il y a un tel volume de traduction avec l'explosion, justement, de la communication, que même si on prenait tous les traducteurs qui existent, ils n'arriveraient pas à absorber le besoin. Donc, en fait, la traduction automatique, par exemple, prend un marché qu'un traducteur humain ne va pas prendre. Si on parle ensuite d'autres techniques comme l'IA qui arrive sur ce marché-là, on estime qu'il faudra au moins 40 années encore avant que l'IA ne puisse être à peu près comme l'être humain, et encore pas dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on estime qu'il faudra au moins 100 années avant que l'IA puisse vraiment pouvoir intervenir dans tous les métiers. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais aujourd'hui c'est plus un outil qu'un concurrent. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur le business que vous pouvez nous communiquer aujourd'hui ? Le nombre de traductions qui ont été faites, le chiffre d'affaires, la satisfaction client, pour qu'on comprenne un peu ? Je peux donner des chiffres, oui. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Notre solution, en fait, nous, on a lancé cette plateforme parce que ce qu'on voulait, c'était que ce ne soit pas que les entreprises qui puissent avoir accès à un travail de qualité. On voulait pouvoir aussi compléter notre offre avec les particuliers, le grand public, ou bien effectivement des professions qui sont plus des professions indépendantes, comme les avocats qui consomment de la traduction. Donc les chiffres que je peux vous donner, c'est que si on va toucher un particulier, on va avoir à peu près un taux de repeat sur une année entre 1 et 3. Si on touche un professionnel comme un avocat, ça peut monter à 5. Ça veut dire que sur un particulier, un coût d'acquisition, ça va être à peu près 100 euros si on passe par de l'Internet, hein, qu'on ne fait pas du commercial, on est vraiment sur du SEO, etc. Et son lifetime value, on va dire, va être plutôt de 300 à 400. Ça, c'est pour le particulier. Et pour l'avocat, ça peut être plusieurs milliers d'euros. Voilà. Merci TDO, merci beaucoup. On vous applaudit. Donc on va enchaîner. La start-up qui suit s'appelle Dessine ton meuble et me rejoint tout de suite sur la scène du Marathon Pitch. En fin de session, on a un coup de cœur. Donc on l'applaudit, on lui donne de la force. Oui, oui, oui. C'est parti. 6 minutes de... 3 minutes de pitch, 3 minutes de questions-réponses. Dessine ton meuble. Merci, bonsoir. Dessine ton meuble, c'est un site web qui fait globalement à peu près ce que dit son nom, c'est-à-dire que ça permet de dessiner son meuble, sauf qu'évidemment on va faire un petit peu plus, et en l'occurrence on va le fabriquer. Le cœur du site, c'est un configurateur qui a été conçu de façon à pouvoir, avec une interface la plus simple possible, créer des meubles sur mesure qui soient aussi complexe que possible et donc aussi intéressant que possible. L'outil de configuration va vous accompagner dans la construction. Il va vous permettre de choisir tous vos paramètres et au cas où vous auriez des questions par rapport à ça, on a bien sûr en plus un service client qui est là pour l'accompagnement et pour permettre de valider l'ensemble des projets. Une fois qu'un meuble a été créé sur notre plateforme, il est bien entendu contrôlé avant d'être envoyé en fabrication et livré chez les clients en kit prêt à monter.
Il y a un élément fondamental chez nous, c'est que on a voulu se concentrer sur deux éléments. C'est premièrement le client, bien sûr, et deuxièmement le fait qu'on veut faire du meuble sur mesure à destination de ses clients qui vont le monter eux-mêmes. Donc on a pas pris un process de fabrication traditionnel qui pourrait être une menuiserie existante et chercher à le pousser vers le web. On a repris la totalité du process. Alors, ça veut dire, par exemple, bien sûr, que le configurateur, il évolue régulièrement dans le temps en fonction des demandes de nos différents clients. Mais ça veut dire aussi que on a, par exemple, prévu pour chaque meuble qui est produit, il y a une notice de montage qui est détaillée et qui est spécifique pour le meuble, qui n'est pas générique. On a donc tous ces éléments qui nous permettent de maximiser, d'optimiser l'expérience client d'un bout à l'autre de la chaîne. C'était vraiment l'objectif. Et on contrôle nous-mêmes les machines de fabrication, ce qui permet aussi d'assurer à la fin du zéro défaut sur tous les meubles qui sont produits. Alors, c'est un concept qui plaît actuellement à pas mal de particuliers, mais aussi de plus en plus de professionnels, pour deux raisons. La première raison, c'est la sécurité qu'on apporte. Notre configurateur, il est basé sur un moteur 3D qui affiche le meuble exactement avec tous ses détails. C'est-à-dire que le client sait parfaitement ce qu'il achète à tous les niveaux de détails. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est au niveau de des délais, c'est que le configurateur, évidemment, il est sur Internet, donc il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelques mots, quelques chiffres. 2017, 15 secondes. 500 meubles. 10 secondes. 500 meubles en 2017, c'est le double de l'année précédente. Cette année 2018, on espère avoir le temps de lancer un petit peu de marketing, un peu de communication et surtout faire beaucoup plus de meubles super intéressants et super sympas. Merci. On passe aux questions-réponses. 3 minutes de questions-réponses avec le jury. Alors, là, il y avait une question. Ah, c'est toi. Bonjour. Quel est le panier moyen? Je trouve ça toujours hyper séduisant pour les consommateurs et souvent je les essaie tous et c'est hyper cher à la fin. Est-ce que ça va baisser? Est-ce qu'il faut que ça baisse ou est-ce qu'il faut garder des paniers moyens conséquents pour la marge? Le panier moyen chez nous c'est 1 500 € à peu près. C'est effectivement un prix, c'est un prix qui correspond aussi à une réalité par rapport à des fabrications. On n'a évidemment pas l'effet d'échelle qu'on peut avoir sur des fabrications en série. Chaque meuble est individuel, quel que soit le niveau d'automatisation, il y a toujours un besoin de préparation et aussi tout simplement de logistique et d'emballage qui est important, qui fait que, oui, bien sûr, il y a des volontés de faire baisser les prix. On se heurtera toujours dans tous les cas à des limites qui fait que on ne peut pas imaginer de faire un meuble sur mesure au prix d'un meuble Ikea. Voilà, c'est simplement pas la même prestation. Bonjour. Moi, j'avais juste une question. Vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai peut-être pas entendu. C'est vous gérez, par exemple, vous avez les machines. Les machines sont à vous pour faire les meubles ou c'est vous externalisez cette partie-là? Alors, les machines ne sont pas à nous, à part la machine qu'on a pour le prototypage. Par contre, c'est nous qui faisons le pilotage des machines. C'est du paramétrage tech Donc, c'est du paramétrage complet. On fournit aux producteurs les fichiers de fabrication finaux qui pilotent la machine, ce qui nous permet de garantir exactement ce qu'on produit. Merci. La commercialisation, aujourd'hui, c'est uniquement en B2C ou vous passez éventuellement par un B2B, Leroy Merlin, IKEA au milieu qui pourrait vous utiliser en fait la solution pour proposer à ses clients de configurer les meubles sur mesure? Actuellement, c'est totalement en B2C. Les intermédiaires qu'on peut avoir, ça va être des prestataires de services qui vendent du travaux. Ça va être aussi d'autres artisans qui, tout simplement, ce n'est pas leur métier de faire du meuble. Ils sont plutôt maçons ou plaquistes. Leur client veut une prestation complète pour refaire un appartement. Il va venir chez nous chercher son meuble et il va faire le montage à la place du client. La taille du marché du meuble sur mesure, vous avez une idée? C'est très difficile à définir parce qu'il y a énormément d'acteurs possibles. Donc des chiffres exacts là-dessus, je me lancerai même pas pour en donner. C'est un marché qui est largement assez grand pour qu'on puisse faire plein de choses intéressantes. D'autres questions? Une dernière question?
questions. Merci beaucoup. Merci. Dessine ton meuble. Merci. Il reste 3 startups sur cette session et ensuite on connaîtra le coup de cœur du jury. Donc, youpi, j'appelle la startup suivante à venir me rejoindre, Mobibam. On peut l'applaudir, lui donner de la force, c'est dans les 3 derniers. Bonjour, donc 3 minutes pour pitcher, 3 minutes de questions-réponses avec le jury. Là, on est sur la fin, il faut convaincre, il faut séduire, il faut tout donner, quoi. Ok. Ouais. C'est parti. Bonjour, alors pour moi c'est un peu particulier comme session de pitch, parce que je viens de rencontrer à l'instant mon concurrent direct, Dessine ton meuble. En fait, on a un concept qui est très similaire. Alors c'est plus facile pour moi parce que je passe après, mais en bref, il y a beaucoup de choses qui sont identiques. On fait du meuble sur mesure en ligne avec un configurateur qu'on veut le plus simple possible et qui génère directement un ordre de fabrication. Par contre, ça génère un ordre de fabrication dans une usine qui est totalement automatisée et qui se trouve en France. En gros, on a digitalisé, automatisé toute la chaîne de la valeur depuis la conception jusqu'à la production en France. On supprime les intermédiaires, on supprime les opérateurs sur la chaîne de production et comme ça, on casse les prix et les délais et on donne surtout le pouvoir de conception au consommateur final direct. On a choisi une stratégie un peu différente. Déjà, on est beaucoup plus jeune puisqu'on est sur le marché depuis juillet 2016. En 2016, on a dû faire 60 000 euros de chiffre d'affaires. Et en 2017, on a fait 550 000 l'année dernière. Donc on a une grosse progression et qui est portée par une série de partenaires qu'on met en place en ce moment. Par exemple, Camif.fr qui nous distribue là depuis le mois de décembre. Et plus récemment, LeroyMerlin.fr. Donc là, il y a, si vous voulez, aujourd'hui chez Mobibam, on doit avoir 20 000 sessions, 20 000 visiteurs uniques par mois. LeroyMerlin.fr, c'est 20 millions. Alors, ils ne nous ont pas ouvert les vannes à fond tout de suite, mais bon, c'est porteur de beaucoup d'espoir. On vient vous voir, enfin là, je viens vous voir maintenant, je saisis cette opportunité, mais en fait, on vient de faire un tour de table, là, il y a 15 jours. Donc, notre ambition, c'est de devenir le IKEA du sur-mesure et de conquérir l'Europe. Maintenant, on ne va pas aller lever des fonds avant au moins un an. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ah, une différence substantielle aussi, c'est qu'on est propriétaire de notre tech grâce à cette levée de fonds. On a pu recruter nos développeurs, racheter tous nos outils de conception. Et du coup, on est à même de distribuer cette brique logicielle. Et c'est ce qu'on commence à faire aussi avec certains acteurs. Ça va prendre un peu plus de temps. Où on va se dire, on va non seulement distribuer des meubles nous-mêmes, mais aller aussi digitaliser certaines activités traditionnelles telles que la découpe de planches ou des ateliers de menuiserie chez certains distributeurs pour le bâtiment. Voilà, en bref, Mobibam. Merci Mobibam pour ce pitch. On enchaîne avec les questions-réponses avec le jury. 3 minutes de questions-réponses. Merci d'avoir pitché. À quoi est-ce que vous avez dû renoncer en personnalisation pour pouvoir tout automatiser ? C'est quoi le trade-off en gros ? Est-ce que du coup il y a des catégories de meubles que vous n'arrivez pas à faire ? Est-ce qu'il y a des cas particuliers ? Voilà. Oui, alors notre chance, c'est que en fait on s'est lancé, on n'avait pas d'argent et pas de temps, on a tout fait en se disant comment je fais pour aller au plus vite générer un euro de chiffre d'affaires ? Là où un acteur traditionnel, si vous voulez par exemple un IKEA qui va se dire moi je veux me lancer sur la cuisine sur Internet. Ils vont dire, voilà, ma gamme de cuisine, c'est ça. Voilà toute l'offre, vous allez me la plaquer en ligne, d'accord ? Donc là, on a un éditeur de logiciels classiques qui va passer des mois, qui va dépenser des centaines de milliers d'euros c'est ce qu'ils vont vendre comme prestation. Et à la fin, on a un produit qui est une parfaite utopie, mais qui est censé être fini, parfait, et qu'il va falloir maintenant rentabiliser. Nous, à chaque fois, notre produit a évolué de manière empirique. Vraiment par itération, en permanence avec le marché. Si je développe un nouvel accessoire, il doit faire du chiffre immédiatement. Et s'il ne fait pas de chiffre, ça tombe bien, je filme toutes les sessions utilisateurs, je place des balises de conversion sur toutes les étapes clés de mon canal de mon tunnel de conversion, et je vois mes principaux gisements de progrès. Et comme ça, j'améliore en permanence l'ergonomie. Du coup, j'ai des produits, en fait, j'ai vraiment réfléchi en fonction du canal. Je ne me dis pas, il me faut 100% de l'offre et je vais la plaquer en ligne. Je ne mets en ligne que ce qui marche en ligne. Voilà. Donc c'est pour ça que
aujourd'hui, j'ai encore plein de choses sur lesquelles il faut que je me développe. Je vais essayer de travailler cette verticale du rangement. Et voilà, il faut que je rajoute, je sais pas, des meubles d'angle, des meubles soupentes, ce genre de choses que je fais pas encore. Et qui sont demandées. On a des demandes toute la journée. Maintenant, il faut le traiter intelligemment en termes d'ergonomie. D'autres questions ? Justement, sur la réflexion autour du canal, la difficulté pour la vente en ligne de mobilier, c'est à la fois les coûts logistiques afférents et éventuellement le coût d'acquisition, parce que tu n'as pas forcément beaucoup de repeat. Quelle est la chaîne de valeur aujourd'hui ? Voilà, tes métriques, c'est un peu sur ta marge, les coûts logistiques, le coût d'acquisition. Alors, sur le coût d'acquisition, là, on vient de faire notre levée de fonds, donc on commence à se relancer dans de l'acquisition payante. Mais jusque-là, par exemple, mois de novembre, 92 000 euros de chiffre d'affaires, 600 euros dépensés sur de l'acquisition. 600 euros, c'est que du remarketing. J'ai maintenu que ça. Je suis pas du tout de AdWords, de rien du tout. Et comment on arrive à faire ça ? Avec un gros travail de relations presse, avec un énorme travail de rédaction web, où on a réussi à se positionner. Vous tapez meubles sur mesure, on est le premier résultat en référencement naturel. Vous tapez bibliothèque sur mesure, on est le premier résultat. Voilà, donc on a maintenant toute une stratégie de communication qui va viser à, bah, évidemment, dépenser le minimum sur les coûts d'acquisition. Pour revenir sur la logistique, là, notre parti pris, c'est la transparence. En gros, notre configurateur, c'est un vrai tableau de bord. Vous avez le prix du meuble, mais aussi le prix du transport et enfin le prix du montage qui s'actualise en temps réel. Et le montage et la livraison, bah, l'idée, c'est qu'on soit au plus proche de la réalité de ce que ça nous coûte. Voilà. Merci. Movivam, le temps est écoulé. Et s'il y a d'autres questions, de toute façon, les membres du jury ont une carte débrief zone qui peuvent la donner aux startups. Il y a déjà eu des cartes débrief zone qui sont données comme ça un peu discrètement pour aller discuter en zone de débrief. Avant dernière startup à venir me rejoindre sur la scène du Marathon Pitch, Neoforma, on l'accueille, applaudissements, c'est l'avant-dernière startup de cette session. Et c'est parti, 3 minutes de pitch. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Yannick Benet et en fait je suis ostéopathe de formation. Donc j'ai créé Neoforma en 2013, on va fêter nos 5 ans la semaine prochaine et donc aujourd'hui on est une équipe de 6 personnes. Alors j'ai une première petite question à vous poser, qui a déjà eu mal au dos ? Bon, ça, il n'y a pas encore trop de monde, mais sachez qu'on a 8 personnes sur 10 aujourd'hui qui se plaignent de douleurs de dos qui pourraient être liées au travail. Donc nous, Neoforma, ce qu'on propose, bah, c'est de diminuer toutes ces douleurs-là. Et comment on va le faire ? On a 3 types de prestations. Donc nous, on intervient directement dans les entreprises. On envoie nos ostéopathes dans les entreprises pour faire alors soit des consultations d'ostéopathie, donc vous avez un ostéopathe qui vient à fréquence régulière ou de façon ponctuelle pour traiter les différents salariés de l'entreprise. On intervient aussi dans le cadre de formations, donc des formations sur les postures de travail. Donc on va apprendre aux salariés à bien se positionner devant leur écran, à porter correctement des colis dans la logistique, etc. Et on a une dernière prestation, c'est la mise en place de réveils musculaires donc en entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. En fait, on compare de plus en plus le travailleur au sportif et donc on considère qu'un travailleur doit aussi s'échauffer. Donc voilà, ça c'est les trois prestations qu'on met en place. Alors soit de façon individuelle, soit une offre globale. Donc ce qui fait vraiment notre force aujourd'hui, donc c'est qu'on s'appuie sur 350 ostéopathes, donc qui interviennent régulièrement chez nos clients avec un maillage vraiment national. Donc on intervient à la fois dans des très gros groupes qui veulent déployer au niveau national. Donc je vais vous donner un petit exemple de prestation. Là, on a organisé donc chez Castorama sur une semaine, donc sur leurs 110 magasins, la mise en place en fait des échauffements le matin. Donc on a déployé 110 ostéopathes la même semaine dans tous les magasins Castorama. Donc ça, c'est vraiment notre force, parce que ça nous permet en fait de proposer un tarif unique, peu importe où vous faites la prestation, que ce soit les consultations, les formations ou le réveil musculaire. Donc là, depuis 5 ans, on a toujours été rentable, donc dès la première année. Et aujourd'hui, donc en 2017, on a réussi donc à dépasser le million d'euros de chiffre d'affaires avec une très forte rentabilité.
sachant que c'est un secteur d'activité qui est vraiment en très très forte croissance, hein. Vous l'entendez tous à la télé, dans les magazines, la qualité de vie au travail, la pénibilité, c'est vraiment un sujet d'actualité, parce que la santé c'est quand même voilà, le plus important pour les travailleurs. Donc les entreprises mettent en place de plus en plus de programmes justement de prévention, donc on appelle ça les troubles musculo-squelettiques, c'est les douleurs qu'on peut avoir au travail. Voilà. Merci. Merci pour ce pitch, Néoforma. On enchaîne avec les questions-réponses avec le jury. Question pour bien comprendre ton modèle, en fait. Est-ce que c'est de faire comme ça un one-shot sur une population assez large pour identifier des patients potentiels et après que tu aies de la récurrence avec des consultations? Et si c'est le cas, comment est-ce que tu fais pour pas te faire des intermédiaires? Alors non, en fait, on a un business model qui est un petit peu différent en fonction de la prestation. En gros, pour les consultations d'ostéopathie, bah, ça va être par exemple Google qui fait venir un ostéopathe toutes les semaines dans ses locaux pour faire des consultations à ses salariés. Donc ça, on est vraiment sur un modèle récurrent. Donc ça, c'est au niveau du chiffre d'affaires, c'est hyper intéressant parce que sur pas mal de clients, on est comme ça sur du récurrent avec des interventions toutes les semaines, voire deux fois par semaine chez des gros clients. Et après, on a toute la partie formation. Donc sur la partie formation, on est sur du ponctuel, mais du récurrent en même temps, puisqu'en fait, aujourd'hui en France, à partir du moment où tu as un salarié, tu es obligé de le former sur ses postures de travail. Donc ça, c'est une formation. Alors il y a des entreprises qui vont le faire en one shot, qui vont se dire, bah voilà, on va former nos 300 salariés. On va former nos 300 salariés. Et après, souvent, en fait, on les recycle tous les 2-3 ans. Donc c'est un marché énorme, parce que tout salarié en France, en fait, devrait être formé sur ses postures de travail, que ça soit sur le travail sur écran ou dans l'industrie, le transport, tout secteur d'activité. Et c'est quoi un peu ta répartition de chiffre d'affaires entre les trois revenu stream et justement sur la partie après consultation? Alors, pourquoi tu ne fais pas des intermédiaires? On est sur 750 000 euros sur la partie formation de chiffre d'affaires et 250 000 euros sur la partie consultation. Sachant que la partie consultation, ça a mis un petit peu plus de temps à commencer, parce qu'en France, c'était assez nouveau. L'ostéopathie, c'est reconnu depuis 2008 seulement. Donc ça a mis un petit peu plus de temps. Mais aujourd'hui, on a tous les jours des demandes pour intervenir, donc sur des entreprises à la fois très grosses, mais aussi des toutes petites. Il y a encore un peu de temps pour une question. Pas de questions. Ok, merci beaucoup, Néoforma. On peut l'applaudir. On arrive à la fin, c'est la dernière start-up qui va venir me rejoindre dans 2 secondes sur la scène du Marathon Pitch. Ensuite, le jury part débriefer, donc vous restez avec nous pour connaître le nom du coup de cœur de cette session. Donc j'accueille sur la scène Dinfi, on peut l'applaudir. Voilà, c'est le dernier participant de cette journée. 3 minutes de pitch, c'est parti. Merci beaucoup. Bonjour mesdames et messieurs, merci de m'accueillir pour ce Marathon Pitch. Je suis Grégory Bernard, le gérant de la société Todo qui édite le logiciel de gestion de firewall d'Infi. Je suis venu vous parler de ce logiciel, c'est le premier logiciel de gestion de firewall open source. Mais c'est quoi un firewall? C'est le gardien de vos réseaux informatiques et c'est ce qui vous protège des virus et des attaques informatiques. On évalue environ le coût des attaques informatiques à 6 000 milliards de dollars en 2021. Donc c'est un marché extrêmement vaste et c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ne savent pas protéger leur réseau ou qui ne sauront pas le faire. Par contre, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que ce marché est en forte croissance. Il a une croissance environ de 18% par an à l'heure actuelle. Et en termes de firewall, la société Todo connaît relativement bien ce marché-là, puisque nous travaillons depuis 10 ans, nous commercialisons des firewalls avec environ 5000 firewalls qui ont été vendus à un millier de sociétés en France et en Europe. Donc le marché est relativement large. Nous avons créé d'Infi pour une raison relativement simple, c'est que ce logiciel doit permettre de répondre à un besoin des entreprises, donc celles qui ont des réseaux à gérer et qui souhaitent vraiment pouvoir les administrer de manière optimum avec ce logiciel parfaitement adapté à leurs besoins. Donc d'Infi, ça permet de gérer des centaines d'équipements de façon centralisée, de collecter ces informations sur des cyberattaques en fait, donc
et de simplifier la mise à jour des firewalls grâce à un système centralisé de gestion. Donc DINFI, c'est aujourd'hui 4000 heures de développement. C'est aussi une marque mondiale qui a été déposée dans tous les pays. C'est DINFI.com, le site sur lequel on peut retrouver notre offre. Et le logiciel est déjà téléchargeable et peut être installé. Donc c'est un outil qui est destiné aux administrateurs de réseau et qui permet donc de contrôler vos firewalls de manière sécurisée, d'en extraire des données pour les analyser. Il simplifie et il centralise les actions de gestion. Il offre une vue globale qui permet d'améliorer considérablement la cybersécurité. Il permet enfin d'augmenter aussi la productivité de vos équipes, puisqu'on n'a plus à gérer les firewalls un par un, mais de manière globale. 15 secondes. Oh là. Donc on a été sélectionné par la BPI qui finance notre projet en R&D. On fait partie d'un consortium avec une société qui s'appelle Adista, qui est le troisième opérateur B2B en France, après Bouygues Télécom. Si. Et on recherche des gens pour nous suivre. Voilà. Merci beaucoup, DINFI. Dernière start-up sur ce marathon pitch. On passe à la session. Restez sur scène. Ah oui, voilà, maintenant, vous allez. Le jury va vous poser des questions et vous allez répondre. Donc, il y a des questions. Voilà. J'avais une question. Pour bien comprendre, en fait, tu réponds aux besoins et à la difficulté, en tout cas, de gérer plusieurs firewalls différents, c'est ça ? Exactement. Ouais. En fait, on a repris la problématique de la gestion de firewalls. Généralement, ils sont gérés un par un, et là, on autorise une administration centralisée. Donc, c'est-à-dire que des entreprises qui sont des SS2I, par exemple, au lieu de les gérer un par un, vont pouvoir les gérer de manière globale. D'accord, parce que quand on prend une société, c'est combien de types de firewalls différents et qui s'en charge? Et en fait, qu'est-ce que tu fais gagner comme temps? Alors, fonctionne avec des firewalls dits open source. Donc il y a deux grandes marques de firewalls qui font des firewalls open source aujourd'hui. Et c'est sur ce segment-là que nous nous positionnons. Et donc, pour répondre à ta question, on se connecte directement sur les firewalls et on arrive à les gérer de cette manière-là. Donc c'est pas, on ne gère pas tous les types de firewalls, donc c'est-à-dire on ne va pas gérer du Cisco ou du Meraki ou d'autres marques comme ça. On gère des firewalls basés sur des briques logicielles open source. Voilà. Donc en fait, ça permet vraiment d'avoir un gain de productivité considérable. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outil équivalent à ce qu'on est en train d'entreprendre. Et le projet industriel qu'on a mis en place vise à permettre à un opérateur de bénéficier de nos technologies. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. J'avais juste une question sur les cycles de vente et combien de temps vous mettez à déployer chez un client à partir du moment où vous le contactez et comment, et au moment où la solution est... Alors, il y a plusieurs... les ventes les plus fréquentes, c'est des ventes indirectes. On travaille beaucoup avec des gens qui, eux-mêmes, gèrent les firewalls. Donc, c'est eux qui vont venir vers nous pour essayer d'avoir ce type de logiciel. Dans les entreprises, du coup? Et dans les entreprises, généralement, c'est des sociétés qui font appel à nous pour gérer leur firewall. Et nous, on se sert de notre logiciel pour leur proposer. Donc, on peut le mettre soit directement dans la société, dans le système d'information de la société, ou le positionner dans le cloud. Donc, on a deux options de vente. Okay. Voilà. D'autres questions pour DINFI ? Pas de questions, on s'arrête là. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. Merci. Alors, cette session touche à sa fin et c'était la dernière session du Marathon Pitch, mais restez avec nous, le jury va tout de suite délibérer pour désigner son coup de cœur.
Voilà. Est-ce que c'était difficile de choisir ce dernier coup de cœur ? Alors, est-ce que c'était difficile de choisir ce dernier coup de cœur ? Il y a eu du débat. Mais pas tellement, en fait. Ok. Consensus, quoi. Il y a, ouais, il y a un consensus assez, assez général. On a vraiment un entrepreneur qui nous a transmis son enthousiasme et son envie d'y aller et qui a fait un super pitch, vraiment aussi bien dans le fond que dans la forme. Après, sur la partie plus business, effectivement, il a l'air d'avoir une traction assez significative dans son activité et une simplicité pour l'utilisateur qui a l'air juste, enfin j'irai voir parce que voilà, je vais pas dévoiler comme ça, mais j'ai un petit souci de téléphone en ce moment et voilà. Alors le coup de cœur, je crois qu'on peut le dire. Alors le coup de cœur de cette dernière session, c'est Elozac. On applaudit Elozac. Elozac, bah c'est une collaboratrice qui est venue, qui vient. Oui, le cofondateur a eu un bébé il y a un mois, du coup il est rentré à la maison. Il a bien raison. Mais du coup, je lui transmets vos remerciements. Et ben voilà, une photo. On applaudit bien fort Elozac, qui a été choisi comme coup de cœur sur sa dernière session par notre jury. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve demain à 14h, merci beaucoup. Merci à nos partenaires fonds d'investissement. Donc, je le rappelle, 10 fonds d'investissement, 10 des plus grands fonds d'investissement dans le jury, Kerala Venture, Entrepreneur Venture, Iris Capital, Briga, Alven, Serena Capital, Daphni, Partec, Ogesco Venture, Autium, nos partenaires Numa Paris, IME et... une mention spéciale aux éco-formalités qui offrent au coup de cœur leur première formalité légale. Merci à tous, on se voit demain à 14h. Merci.